Bonjour, bienvenue à tous. Nous voilà à nouveau réunis pour un nouveau rendez-vous de l'Aubette dans le cadre de l'Industrie Magnifique 2021. Nous sommes en direct de l'Aubette et également en streaming. Bonjour à ceux qui nous regardent de l'autre côté de la caméra. Nous sommes aujourd'hui réunis pour une conférence particulière qui est la conférence des partenaires culturels européens de Strasbourg sur un thème particulier. La culture et la crise. Les partenaires culturels européens de Strasbourg, ce sont plusieurs consulats, le consulat d'Autriche, le consulat de Russie, le consulat de Suisse, du Portugal, mais également différentes institutions qui représentent leur pays, comme l'Institut Goethe, comme l'Institut culturel italien, l'Alliance française Strasbourg-Europe et l'École de langue espagnole. Ces partenaires culturels européens, c'est une association informelle qui opère depuis 20 ans et qui a pour habitude chaque année d'organiser des événements qui ont pour objectif de promouvoir la culture, les arts, les sciences européennes. Cette année, le thème, donc, comme je le disais, a été choisi de concert entre les partenaires et c'est un thème on ne peut plus actuel. Culture et crise. Culture et crise, c'est crise de la culture ou culture de la crise. Quel avenir pour une culture sous Covid? Depuis plus d'un an, en effet, la marche du monde s'est grippée. La vie a brutalement changé. À l'échelle planétaire, le virus a coupé les ponts, annulé les événements, interdit les rassemblements. La culture est frappée lourdement. Théâtre, cinéma, salles de concert, musées. Quasiment tous les lieux d'art et de spectacle ont été contraints de fermer leurs portes. Du jour au lendemain, sans horizon, la crise s'est installée, noire. Pourtant, l'espoir demeure, entretenu par le support des collectivités, mais aussi par l'énergie et l'imagination des acteurs du secteur, artistes ou gestionnaires, stimulés par les contraintes. Comment la culture sortira-t-elle de cette crise? Telle est la question. Et peut-être plus encore, quelle culture sortira de cette crise? Pour répondre à ce double questionnement, nous allons, au cours de cette soirée, accueillir deux débats, animés tous deux par Christian Bach, rédacteur en chef adjoint des dernières nouvelles d'Alsace, notre partenaire, à qui je laisse maintenant la parole en vous souhaitant une excellente soirée. Merci, bonsoir. Alors, 3 heures de table ronde en deux temps. 3 heures pour parler de la culture, 3 heures pour parler de la culture et de la manière dont les acteurs culturels, qu'ils soient danseurs ou comédiens ou artistes plasticiens ou alors qui dirigent des institutions culturelles, 3 heures pour voir comment ils ont traversé cette crise et comment ils se projettent dans l'avenir. Donc on sera forcément dans le registre du témoignage puisque on n'est peut-être pas encore au moment où on peut bien analyser les choses, où on a un recul suffisant. Et puis, donc, une première table ronde avec nos invités que je vais vous présenter très brièvement. Vous les connaîtrez mieux à la fin du débat, qui est une approche un peu européenne avant un zoom plus précis, peut-être sur Strasbourg et sur certaines disciplines. Alors, cette première table ronde, je vais vous dire très succinctement qui y participe. Donc, à ma gauche, Valerio Romao, qui est romancier, poète, traducteur, homme de théâtre. Je crois qu'il est en train d'écrire une pièce de théâtre. Et puis, vous êtes né près de Clermont-Ferrand. Vous avez grandi à Clermont-Ferrand quelques années avant de repartir au Portugal, où vivaient vos parents avant de fuir le régime portugais à la fin des années 60. Et vous travaillez à Lisbonne. À côté de vous, Anna Konietzki, qui est chorégraphe et qui a sa base à Munich, mais qui rayonne à travers l'Europe, à travers les spectacles qu'elle monte et puis à travers les collaborations qu'elle entame et qui nous parlera de danse et puis aussi de frontières et d'autres choses. Et puis à côté de vous, Arnaud Guissinger, qui connaît Strasbourg pour y avoir fait une résidence artistique à l'université et qui a fait des expositions à la Chambre aussi et à Célestat, au FRAC, ce très beau lieu qui est
hors des lieux, hors des murs de Strasbourg, mais qui a une dimension régionale et même au-delà. Et puis à côté de vous, on a Dominique Hummel. Alors là, on change un peu, on fait un petit pivot, on change un peu de registre, mais pas trop non plus, puisque vous êtes un consultant en tourisme, vous avez dirigé le Futuroscope, vous avez aussi été directeur de l'innovation à la Compagnie des Alpes, qui contrôle un certain nombre de parcs d'attractions. Mais la pratique culturelle, c'est aussi, si on élargit le champ de vision, la manière de découvrir un patrimoine, une histoire, des choses à travers des activités un peu ludiques. Et puis à côté de vous, nous avons le directeur de la Maison de Russe des Sciences et de la Culture de Paris, qui est M. Constantin Volkov. Et donc vous nous parlerez aussi un peu des projets de la Maison Russe des Sciences et de la Culture. Et puis pour finir, deux journalistes. Alors ils sont tout en bout de cette table ronde. D'abord parce qu'ils sont comme moi un peu observateurs aussi, mais aussi des spécialistes d'un certain domaine. Alberto Mattioli, vous travaillez pour la Stampa et vous êtes un spécialiste de l'opéra. On se disait tout à l'heure que vous aviez vu plus de 1800 opéras. 1815, si vous le dites dans le micro, tout le monde en profitera. Donc on va vous envier. 1815, oui. Et ça n'est pas fini, j'imagine, puisque est-ce que vous avez été à la présentation de la saison de la Scala ou de la première Oui, bien sûr, oui, qu'elle d'accord. est dirigée d'ailleurs par un assassin. D'accord, ok, très bien. Monsieur Dominique Meyer. Et puis à côté de vous, un autre journaliste, Stéphane Gobeau, qui est journaliste au Temps en Suisse. Et vous dirigez la section culture, le service culture, mais vous vous intéressez aussi depuis toujours, j'ai l'impression, au cinéma. Vous avez dirigé la semaine de la critique du Festival de Locarno, qui est une section dédiée aux documentaires de création. Voilà. Donc les présentations sont faites très très brièvement. Encore une fois, je n'ai pas préparé ça de manière très précise parce que le sujet est tellement vaste et ouvert, mais plus par des mots pour interpeller les intervenants et par des couples de mots. Et je vais commencer avec Anna Konietzky et pour vous faire réagir à ces deux mots que sont création et frontières. Depuis mars 2020, en précisant quand même, quand on pose le mot frontière sur la table, c'est un mot qui a plusieurs sens. Et dites-nous un peu comment vous vivez votre pratique culturelle et comment vous arrivez à vous affranchir ou pas des frontières qui ont été posées et comment vous arrivez à créer ou pas. Merci de m'avoir accueilli ici. Et que je crois les mots frontières et création... Évidemment, j'aurais envie de faire un pas en arrière et de penser, j'espère qu'on est tous d'accord que la crise de la culture, c'est la crise de la société. Et cette crise, elle se manifeste sans vouloir casser le jeu ici sur ce plateau. Si je m'exclus, il n'y a que des hommes. Si je m'inclus, il n'y a que des corps blancs. Donc, première crise, première question de visibilité, première question de qui est, on parle à partir de... Où et pour qui, je ne vais pas nommer ce que je vois, c'est pareil ce qu'il y a ici. Évidemment, cette crise de culture et crise de la société, c'est aussi la question des institutions face aux artistes, les distributeurs, l'argent qui est donné aux artistes. Il y a, je crois, beaucoup de conflits qui se sont... Et c'est tous, je crois, une crise comme cette pandémie, elle met juste toujours... Elle amplifie ce qui était toujours un problème. Donc, c'est pas. Et je pourrais, je crois, cette liste, elle est longue de crises de société. Mais donc, ça, juste pour. Maintenant, je reviens plus à la question, mais ça me tient à cœur de dire. Donc, ma pratique, c'est. Et ça, c'est une autre crise de société. C'est une pratique publique, c'est un discours public. Et donc ce discours public, il n'était pas possible. Parce que c'est évidemment, j'ai jamais arrêté de travailler depuis que cette pandémie est arrivée. Mais j'ai beaucoup travaillé derrière les portes fermées. Et donc évidemment, la question de où est-ce que elle se positionne, cette culture. Enfin, si je vois d'Allemagne, on a
eu beaucoup de mots de beaucoup d'hommes puissants assez cons pour dire, qui parlent d'une fois pas du tout de la, beaucoup pas du tout de l'art ou de la culture, ou s'il en parle, c'est, ça fait partie de loisirs ou de entertainment, enfin, mais c'est jamais perçu comme quelque chose que je crois que c'est pas pour rien que ça existe depuis toujours, que c'est une recherche sur notre société, c'est un moyen de réflexion sur notre société, c'est un moyen de tester très pratiquement et de pouvoir visionner hors de maintenant et de donc à la fois peut-être des fois utopiste et visionnaire. Et donc voilà, peut-être j'arrête là avec la vision. Non, alors, sinon juste, je parle trop. Juste un de vos derniers spectacles, ou peut-être le dernier qu'on a pu découvrir en ligne, qui n'a pas été présenté au public, s'appelait Über die Wut, à propos de la colère. Est-ce que ce nom ou ce spectacle, qui, ça nous parle quand on parle de colère aujourd'hui, parce qu'avec tout ce qui se passe, et, est-ce que ce nom a été choisi avant ou après le début de la pandémie ? Avant. J'ai un long processus toujours d'arriver surtout à des grands spectacles. J'essaie dans ma pratique, il y a des choses qui prennent longtemps à créer, à développer, et puis j'essaie d'avoir une autre pratique qui est plus vite, qui peut plus. Donc on a fait des choses ici en réaction au Covid, mais la colère, ça a commencé avant. La colère n'est pas allée avec la pandémie, la colère était là bien avant. Et elle résonnait par rapport à... Mais ça, c'est aussi aux inégalités par... Oui, ça c'est pas mes mots. Il y a toutes des sociologues qui parlent. On est dans la période de la colère, donc après la période ou l'époque de la peur, c'est l'époque de la colère. Et moi j'espère que c'est aussi toujours une colère qui vient quand on est dans un cul-de-sac, donc qui se met en place quand on est face à des... Enfin, on ne peut pas continuer comme on vit pour le moment, ça c'est évident, peu importe de quel côté tu regardes, sociaux, écologiques, donc il faut... Ça met en cette... Il y a beaucoup d'oppression qui était longtemps, je crois, pas visible et qui sort. C'est le volcan qui se met en place. Le volcan est en colère, donc c'est le moment de la colère. Alors, dans votre travail, il y a deux choses. Vous considérez que la danse est aussi un laboratoire de recherche sociale. Hein, vous l'avez un peu expliqué ça. Mais vous travaillez aussi sur des projets à travers la frontière. Vous deviez travailler avec des danseurs d'Afrique du Sud. Est-ce que ça, c'est possible? Ou est-ce que vous avez dit la porte s'est fermée? Ou est-ce que vos projets sont des projets qui sont repliés sur votre territoire à Munich? Ou est-ce que vous avez pu continuer à préparer ou à préparer la sortie de cette situation? Je crois comme beaucoup de collègues de moi, oui, c'était aussi la danse contemporaine est basée dans un dialogue, pas juste local, régional, mais national, international, à tout niveau. Et donc, j'ai beaucoup de collaborations qui sont avec d'autres pays ou continents. Dans ce cas-là, avec l'Afrique du Sud, très précisément, j'aurais dû avoir un spectacle au Kammerspiel, qui était à la ville de Munich, fin mars 2020. Et ça s'est annulé deux semaines avant, avec vraiment, enfin, il faut qu'ils aillent aux aéroports maintenant. Donc, vraiment un brut. Et depuis, on a beaucoup espéré de pouvoir le refaire, de continuer, mais... En fait, pour être honnête, il y a quelques jours, on a dû prendre la décision, on ne peut pas le faire, et que là, ça touche quoi, ces thèmes d'argent et d'institutions. Parce que peut-être les frontières concrètes, on peut mettre peut-être l'argent pour les tests, les vaccins, la quarantaine, qui est toujours deux semaines pour les artistes d'Afrique du Sud. Ça peut-être, ça aurait été possible, mais après, c'est la question quand, et par exemple, toutes sortes de subventions, c'est lié à des années fiscales, donc si on n'arrive pas à dépenser cet argent jusqu'à la fin de l'année, ça ne marche plus. Plus, par exemple, dans ce cas-là, c'était aussi une collaboration avec les Kammerspiel de Munich, donc le théâtre de la ville de Munich, mais avec l'ancien intendant encore, enfin, pour pouvoir le refaire, on l'aurait fait avec le Festival Spielart, qui est un festival international de théâtre à Munich, qu'ils auraient aussi soutenu ça. Mais dans la période, il y a le festival, le théâtre de la ville n'a plus de place libre. Donc du coup,
on saute. Voilà. D'accord. Est-ce que le retour est suffisant pour les autres participants? Vous entendez bien ce qui se dit? C'est bon? Peut-être si on peut avoir un tout petit peu plus de retour, ça arrangera nos collègues suisses et italiens. Pour mieux entendre ce qui se dit dans la salle, je pense que ça va. Lorsque la crise est tombée sur nos vies quotidiennes, du jour au lendemain, pratiquement en Allemagne comme en France, avec une gestion un peu différente, nous avons tous été rejetés de notre vie professionnelle pendant un certain temps. Et comment est-ce qu'une chorégraphe et une danseuse vit cette injonction à retourner et à fermer la porte et à rester chez soi, alors que pour vous, la vie, c'est la confrontation avec le public, c'est le travail avec une troupe? Et comment est-ce que vous êtes devenue une simple citoyenne allemande confinée, ou est-ce que la danseuse avait envie de taper avec le pied contre la porte? Et est-ce qu'il y a une résignation? Je crois aussi, comme beaucoup de gens, je suis passée par différentes phases, entre l'acceptation de prendre ça comme un moment de réflexion peut-être, entre plein de moments de révolte, entre des moments de frustration, entre surtout, je crois que c'est ce qui des fois, on s'imagine peut-être pas quand on n'est pas un freelance artist. Depuis cette pandémie, on travaille surtout plus, parce que pas juste qu'on travaille tout le temps avec ses probabilités, mais très concrètement aussi, on a tellement bougé. Enfin, par exemple, comme exemple, demain, je vais aller pour des spectacles à Athènes. C'est la troisième fois qu'ils se sont bougés. Donc, c'est chaque fois, c'est une organisation. Chaque fois, j'ai fait justement deux créations qui ne se sont pas faites avant la colère qu'on a répété, qu'on a fait. Donc, surtout, tout repenser pour l'espace digital, c'est surtout plus de travail, pas moins. Juste moins d'argent, mais plus de travail. Mais après, je dois aussi dire que moi, je suis dans une position extrêmement privilégiée à plein de niveaux. Un niveau, c'est que je loue un espace à Munich, un petit studio qui m'a permis que j'ai en fait toujours travaillé. Je travaille aussi avec mes partenaires, donc on a toujours travaillé. On a tout simplement... Et que ça, par exemple, surtout au départ, c'était quelque chose pour moi, pour ma morale personnelle, très important, que j'avais l'impression qu'on ne peut pas tout me prendre. Je dépends évidemment de la situation de santé globale et des décisions politiques, mais travailler, je peux. Et après, cet espace nous a aussi permis, on a fait des interventions où le public pouvait regarder à travers les fenêtres, ce qui était en fait assez... On a fait toutes des danses de dédication. Voilà. Donc, mais je crois que je suis dans une position privilégiée, donc ça va. Alors on va passer à notre deuxième invité. On va faire un bond jusqu'en Russie, mais en même temps à Paris, puisque la parole est à Constantin Volkov, qui est donc directeur de la Maison russe des sciences et de la culture à Paris. Vous, en tant qu'observateur russe à Paris, de la situation française, et en tant que résident russe, cette crise a été gérée d'abord par rapport à la culture et à l'action culturelle en Russie, et par rapport à votre action de diplomate aussi, qui doit transcender les frontières. Je reviens à ces deux mots, les frontières et la création. Bon, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et premièrement, je voudrais dire à tout le monde que je suis très honoré d'être ici. Je suis très fier d'être sur la scène avec cette très belle compagnie des panélistes qui représente vraiment aujourd'hui une rencontre internationale. Moi, je suis représentant de la diplomatie russe, et moi je suis directeur de la Maison russe. J'aimerais premièrement donner une très brève information de qui nous sommes. Donc, le Centre de Russie pour la science et la culture, c'est un de deux établissements culturels russes à Paris. Il y en a deux, le nôtre, qui a fêté l'année passée son 25e anniversaire, l'autre qui est nouveau, qui est à côté de Tour Eiffel, donc, et avec l'église. Donc, nous sommes la représentation du ministère des Affaires étrangères.
Et vous avez bien répondu, bien posé la question très correctement. Donc, quelle est donc la relation, donc l'observation de diplomates russes à Paris? C'est vraiment bien nécessaire à comprendre que nous sommes l'établissement russe situé en France, parce que même lors d'une conférence que j'ai fait récemment, une dame de Russie a demandé c'est quoi le centre de Cyprien Culture à Paris, est-ce qu'ils font partie du ministère de culture français? Non, on est certainement un établissement russe, diplomatique, culturel, et culturel dans le sens le plus large, parce que tout ce que nous faisons, c'est la culture qui comporte la science, l'éducation, les communications sociales et beaucoup d'autres choses. Donc, à votre question, je dois dire qu'il y a au moins trois dimensions de ce que nous voyons actuellement dans le cadre de ces crises. Donc, la première dimension, c'est pour nous, c'est ce qui se passe dans notre propre pays. Donc, ce qui se passe dans notre propre pays, c'est pas très éloigné de ce que nous voyons en France et dans d'autres pays d'Europe. Tout comme en Europe, nous étions confinés chez nous depuis le mois de mars. Et donc, mes concitoyens ont resté chez eux sans possibilité de travailler, sans donc la revenue et tout ça. Mais donc après le mois de mai, oui, si je ne me trompe pas, depuis le juin, en Russie, on a ouvert presque tous les établissements publics. Donc moi ici, je voudrais signaler et souligner que depuis le mois de juin, en Russie, presque tous les établissements ont été ouverts. Je veux dire des restos, des cafés, des théâtres, des cinémas, donc sans fermeture, avec des jauges qu'on fait actuellement ici, mais de toute façon ça fonctionnait. Et si on demande quel était le rôle de l'État, donc premièrement c'était ça. On n'a pas fermé tous les établissements. Deuxièmement, depuis le mois d'octobre, il y avait la décision du Conseil pour la culture de la présidence russe, et donc on a aussi prévu des subventions pour ceux qui ont besoin, je veux dire, du domaine artistique. Et donc... il ne faut pas comparer, parce que toute comparaison n'a pas raison, mais de toute façon, donc, l'aide d'État existait. Bon, c'est ce qui concerne la Russie. Deuxième dimension, c'est les relations culturelles entre la Russie et la France. Donc, ici, il est bien dommage de le dire, mais vraiment, on n'a pas réussi à accomplir de très grands projets. Vraiment, pour cette année 2020, l'année passée, il a été prévu une série de très grands événements, comme les saisons russes. On rappelle tout de suite, en disant des saisons russes, les ballets russes, célèbres ballets russes de Diaghilev. Donc, on a voulu de faire quelque chose à l'instar. Donc, on s'apprêtait à faire venir en France 300 projets, 300 équipes, 300 compagnies russes, des genres différents, pour faire de grands événements. Non, il suffit de dire qu'au mois de mars, il y a un an, le théâtre Bolchoï devait venir à Paris et à Toulouse. Et vous pouvez imaginer à quel point il était dommage d'abandonner cette idée. Le projet était lié non seulement à la France, mais il devait passer aussi en Belgique et à Luxembourg. Donc, un projet de très, très grande envergure. Cette année est déclarée, donc l'année actuelle, l'année croisée de coopération décentralisée, en russe, coopération interrégionale entre Russie et France. Et c'est une très belle occasion d'essayer de rapprocher les régions, de présenter en France des moyens et des options, des occasions, tout ce qui est de bon et d'intéressant qui peut être utile pour la France et réciproquement. Je ne sais pas comment on va aller plus loin, mais pour l'instant, on ne peut pas pour l'instant bouger plus loin. Je dirais qu'après l'ouverture, l'inauguration de l'année croisée, c'est dans quelques jours qu'on va présenter une des
plus significatif, un des plus significatifs événements, ce sera la conférence sur le jumelage russe et français. Mais ça, on peut y passer un peu plus tard, mais je voudrais juste annoncer pour qu'il soit clair quelles sont pour l'instant donc, les possibilités, et donc, les idées les grandeurs de projet entre la Russie et la France. Pour le temps, on a prévu, dans le cadre de l'année croisée, une grande réunion des 40 directeurs de musées régionaux russes en France. Et donc ce sera et l'autre grand événement, l'inauguration de l'exposition Répine au Petit Palais. Et donc si on parle un peu plus largement ce sujet, je dois vous dire que pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Malheureusement, ce sont des très grands événements, mais ils ne sont pas confirmés juste à une simple raison. Alors, parce vous l'avez évoqué un peu, mais pour prolonger là-dessus, si j'ai bien compris, vous pariez sur les relations décentralisées. Exactement. De région à région, de ville à ville. Est-ce que dans votre planning ou dans vos projets apparaît l'Alsace ou le Grand Est ou Strasbourg? Je veux vous demander à mon tour, est-ce qu'ils sont nombreux dans cette salle qui connaissent donc les villes jumelées de Strasbourg ou de Colmar ou de Mulhouse? Je n'ai pas connaissance d'une ville jumelée en Russie. Voilà. Et vous serez étonné, il y en a deux. Ah bon? Lesquelles? Donc en gros, nous avons une cinquantaine de pairs entre des villes russes et françaises. Il y a deux ans, on a fait avec l'organisation La France Unie, les cités Unie France, on a fait un inventaire. Donc à l'issue de cet inventaire, il s'est avéré un inventaire de villes. Donc il s'est avéré que nous avons une cinquantaine de villes. Je ne veux pas vous dire qu'ils sont très actifs. Strasbourg est jumelé avec qui alors? Qui? Strasbourg? Strasbourg est jumelé avec qui? Veliki Novgorod et Vologda. D'accord. Oui, Colmar avec Toliati et Mulhouse avec Arkhangelsk. Donc ce sont des trucs qui existent, mais malheureusement ils ne sont pas très fonctionnels. Et donc ça c'est une partie de notre programmation que nous prévoyons pour cette année. Vraiment, on va faire des conférences, et ce qui donc est disponible pour nous, on va faire des conférences directes. La première aura lieu le 16 juin avec la participation des ambassadeurs de deux pays, de mon homologue à Moscou, directeur d'Institut français, et avec des maires de cinq pairs. Pairs, je veux dire, de couples des villes. Voilà, et ce sera le premier démarche, le premier pas. Après cela, on envisage de faire d'autres événements pour élargir ce dialogue entre les villes. Et si Strasbourg est désireux, il souhaiterait aussi de participer à ce type de dialogue. On est ouvert pour présenter notre plateforme web. D'accord. On sent qu'il y a chez vous une certaine impatience et que finalement, vous avez été obligé de reporter sur le calendrier un certain nombre de choses dont vous espérez qu'elles vont pouvoir se réaliser. Je crois que nous sommes dans le point de notre agenda qui concerne les frontières. Et donc ici, c'est le point crucial parce que vous savez qu'à partir du 9 juin, donc, selon la décision du président de la République, donc, les ouverts ils sont entrouverts là, pour d'autres pays. Donc il y a trois types de pays qui sont dans des zones différentes. Nous sommes actuellement dans le jaune. Et pour entrer, nous avons le motif impérial et la vaccination. Et là, d'ici, on a d'autres problèmes parce que la question de vaccin, c'est quelque chose à part. Parce que vous savez qu'il a réussi à proposer sur le marché le premier vaccin est enregistré et actuellement il y a plus de 60 pays qui font leur production. En Russie, nous avons déjà le taux de vaccinés au niveau de 30 millions des Russes qui sont vaccinés, dont une partie sont vaccinés d'une dose et une partie de deux doses. Mais donc, c'est assez grand nombre de personnes qui sont vaccinées. Mais en même temps, cela ne donne pas pour l'instant le droit d'entrée. Pour les artistes russes, ce qui pour l'instant nous complique la tâche. Je ne peux pas faire la programmation, même si ceci j'ai dans mon esprit les projets, comme je viens d'expliquer, une quarantaine de directeurs des musées russes, donc l'ouverture de l'exposition des Répines et d'autres. D'accord. Ok, on va passer de la vision macro et avec ce retour de la problématique sanitaire à une vision peut-être plus intime ou plus intimiste, celle d'un auteur, et vous êtes Valerio Romao, notre
troisième invité à s'exprimer. Et finalement, on peut se dire qu'un auteur, qu'on soit confiné ou pas, il fait son travail, je veux dire, et il va de l'avant. Est-ce que vous voulez bien me contredire et dire que vous aussi, vous avez des frontières à votre activité, à votre œuvre? Bon, première place, merci de l'invitation à venir ici parler avec vous et avec ceux qui sont à la maison. Je pourrais dire que, en première place, oui, un auteur, un écrivain, c'est l'auteur qui a besoin de moins moyens pour faire son travail. Alors, il a besoin d'un ordinateur, dans mon cas, parce que je n'arrive plus à écrire à main, je ne comprends pas mon écriture. Alors, un ordinateur, ma alimentation, dormir 8-10 heures par jour, et on pense que c'est suffisant. Mais en vrai, la pandémie, ce qu'elle a fait, c'est ajouter une couche de surréalité sur à peu près tout qui était quotidien. Je me rappelle d'être à la maison quand notre président de la République a décrété le premier état d'émergence ou d'urgence, je ne me rappelle plus, et de penser, bon, on est dans un film d'Hollywood, c'est quelque chose que j'ai 45 ans, j'imaginais passer pour une situation comme ça. Et je me rappelle d'aller au supermarché pour faire des achats pour la semaine ou pour 3, 4, 5 jours et de sentir la peur dans les visages de tout le monde et de penser que chaque chose du quotidien pourrait être un défi à la mort, une espèce de pari joué. Et tout ça a ajouté une couche de surréalité et en fait je n'ai pas travaillé du tout au premier confinement. J'avais des traductions à faire, mais les gens des maisons éditrices m'ont simplement dit, bah, maintenant c'est pas le moment, on sait pas quand on va sortir de ce moment. Alors j'avais un peu d'argent pour des droits que j'avais vendus pour une série télévisive et je me suis dit, bon, faut pas insister. J'ai passé mon temps à lire des biographies de politiques communistes, à prolonger la vie de mon ordinateur en installant de la mémoire et des choses comme ça, à jouer avec mes chats. Et à boire, parce qu'on buvait immensément dans le premier confinement. Je pense que tout le monde, mais peut-être seulement moi. Vous nous parlerez peut-être aussi un peu de la manière dont le Portugal a géré les choses, mais est-ce que, parce que je crois que c'est en train de... Il y a des mesures qui sont reprises de nouveau, hein, je crois que... est-ce que pour un auteur, ce que nous vivons, et vous avez dit que est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une fiction, ou est-ce que avec cette crise la réalité a définitivement dépassé la fiction? Bon, je pense que dès que Donald Trump a été élu, la réalité a déplacé les comédiens, la fiction, les gens de l'humeur. La pandémie a été une seconde phase, mais j'ai pas envie du tout d'écrire sur la pandémie ou sur quelque chose de relationné avec la pandémie, parce que je pense que j'ai besoin de 4, 5, 6, 10 ans pour digérer tout ce qui a passé, et je pense qu'on doit se refrainer de le faire. Tout est immédiat, tout est vraiment rapide, et on doit avoir une opinion sur tout. Et je pense que l'un des travaux de l'artiste ou des gens qui pensent sur la réalité, qui l'influent par la création ou par la lecture,
c'est peut-être de se refrainer un peu et de dire non, j'ai pas rien à dire. Sur... De pas se jeter sur le sujet. Ouais. Est-ce que du point de vue marketing, ça pourrait être bien de d'un coup sortir un roman avec la pandémie en toile de fond et un médecin en acteur, en personnage principal et non? Ah, il y en aura qui font ça. Ouais. Mais ça, le temps les jugera. C'est pas mon travail. Ça. C'est pas votre travail. Non. D'accord. On va continuer notre exploration. On reviendra sur le sujet du romancier, mais c'est vrai que se saisir du sujet de cette pandémie, des représentations qu'on en a et de la manière dont on la dessine, là on est sur un plateau et avec des gens qui s'intéressent à la culture. Arnaud Guissinger, depuis un an, alors vous êtes photographe, mais vous vous intéressez aux traces graphiques ou aux photographies qui résultent des événements et de notre mémoire. Depuis un an, on a des milliers de graphiques et des milliers de représentations graphiques de la pandémie. Je sais qu'on est nombreux ici, on ne va pas se le cacher, tous les matins à ouvrir l'application et aller sur le site et le papier qui vous dessine l'évolution de la pandémie à travers le nombre de malades, à travers l'incidence, à travers le taux d'hospitalisation, etc. Vous qui êtes un artiste et qui s'intéresse à la représentation des faits et des grands événements, comment est-ce que vous percevez cette représentation et sans frontières pour le coup de la pandémie, puisque c'est un langage universel? Je peux demain aller voir l'état de la pandémie à travers un graphique aux États-Unis comme au Chili ou comme au Vietnam ou ailleurs. Comment est-ce que vous vivez cette représentation universelle de la pandémie? Merci. Oui, effectivement, nous sommes tous et toutes, je pense, frappés, et nous sommes des usagers et des consommateurs de graphes et de courbes et de lignes, et nous sommes effectivement dans cet espoir de mieux connaître le réel et mieux connaître ce qui nous tombe dessus. Bien évidemment, ce sont des constructions, ce sont des visualisations qui ne sont pas la vérité, mais qui sont une interprétation de la vérité. Et j'ai eu effectivement le plaisir de travailler ici à Strasbourg même, un peu avant le confinement, sur un autre sujet, mais qui est finalement pas si loin de l'invisibilité d'un virus. J'ai pu travailler ici à l'université sur les fonds d'images de la sismologie. Et la sismologie, c'est effectivement une science qui a besoin d'images, besoin de représentations et voire même besoin de graphes. Et à l'origine de la sismologie, elle se passe en grande partie ici à Strasbourg même, à la fin du 19e siècle. Et j'ai eu la passion et le plaisir de regarder les fonds des graphes et aussi des fonds photographiques. Donc on découvre effectivement qu'il y a à la fois la place de la photographie qui est très importante au 19e siècle, donc sous le grand médium de la représentation du réel, qui nécessite évidemment aussi interprétation. Mais au fur et à mesure, notamment dans les sciences, dans le domaine des sciences, il y a quelque chose qui se met en place au 19e siècle, et la sismologie en fait partie, mais il y en a d'autres. Il y a un certain Étienne Jules Marais qui fait une œuvre magnifique, un livre qui s'appelle « La méthode graphique », en 1874, donc on est au 19e siècle, et il va déterminer et rassembler tous les savoirs qui sont à cette époque transmis et représentés par des graphes. Donc finalement, on est dans un processus qui est beaucoup plus ancien, qui a commencé au 19e siècle, voire peut-être même avant, et j'étais, comme nous tous, évidemment frappé par la puissance de ces graphes. Et ça nous a amené effectivement, nous les spécialistes des images, à réfléchir justement sur les origines de l'image comme preuve. On a beaucoup réfléchi pendant des années sur la photographie comme une preuve, et je pense qu'il était temps, il serait temps aussi de réfléchir ensemble sur la question de la véracité et de l'interprétation de ces graphes qui nous accompagnent dans la vie de tous les jours. Donc par ricochet, le travail ici à Strasbourg avec la sismologie m'a sensibilisé à cette question, mais c'est une question ouverte hein, qui reste à travailler dans le futur. Mais on a l'impression un peu que cette histoire de chiffres nous coupe de réalités beaucoup plus sensibles quand on parle avec des gens qui sont coupés de leur pratique artistique. Est-ce que c'est pas finalement réduire la réalité à... Alors c'est des indicateurs importants, mais est-ce que c'est pas
réduire de manière extrême une réalité que de la traduire en chiffres. Et bien sûr, et évidemment, hein, et c'est peut-être une frontière qui nous a aussi tous frappés, c'est la frontière de l'écran. Ça, c'est une deuxième chose qui, bien évidemment, a commencé bien avant la Covid, mais cette vie avec les écrans et la frontière physique et physiologique est quelque chose qui nous a beaucoup, beaucoup frappés, et cette accessibilité constante des images. Et en même temps, là aussi, je pense que notre tâche sera dans le futur de prendre un peu de distance par rapport à ça. Et comme mes prédécesseurs le disaient, on est, je pense, trop dedans actuellement pour vraiment avoir du recul. Et puisque Strasbourg est aussi la ville de Marc Bloch, je plaide aussi pour une vision un peu de longue durée. Une vision qui nous permettra aussi de prendre un peu de distance et de ne pas tomber dans l'histoire immédiate. Et je pense que, comme toutes les sociétés avant nous, les crises, les catastrophes qui nous tombent dessus sont des indicateurs comment nous nous comportons entre nous vis-à-vis de cette menace et quelles sont les stratégies pour la future vie ensemble. Donc moi, je comprends cette crise à travers les images de la crise, surtout comme une épreuve. Je pense que toutes les grandes catastrophes, le tremblement de terre de Lisbonne, par exemple, au XVIIIe siècle, a généré énormément de réflexions philosophiques, de la théodisée, etc., et qui était une sorte d'épreuve, mais pas forcément une épreuve matérielle. Le matériel est très important, mais je pense que le plus important, c'est les questions qui sont posées à travers cette crise-là. Et je pense qu'il y a une grande question qui est la question de l'image et notre vie avec les images. Mais vous êtes un homme de l'image et de la mémoire qu'elle porte. On a l'impression quand même aussi que toutes ces images qu'on voit depuis un an et ces représentations sont des images qui n'impriment pas, parce qu'elles surgissent à l'instant T et le lendemain elles n'ont plus rien à, elles ne disent plus rien, ou elles ne sont plus, elles sont dépassées, ou elles, et que cet écran a aussi mis une distance par rapport aux émotions et à la relation directe des événements, des spectacles qui dont on n'a peut-être pas exploré ou mesuré aussi les conséquences. Ben là aussi, je pense qu'il faut attendre un peu, il faut attendre le travail des archives. Comme la sismologie, c'est une question archivistique, c'est aussi la question de comment on travaille avec ces images dans 10 ans, dans 100 ans, et comment, avec le recul nécessaire, on va aussi pouvoir regarder autrement ces représentations. Mais bien évidemment, le numérique et l'omniprésence des images numériques nous a mis ce défi, mais pour autant, je ne pense pas que la survivance des images va disparaître. Alors, je rappelle pour les gens qui sont avec nous, IRL et online, que vous avez fait une œuvre qui a interpellé. C'était le sismogramme des bombardements d'août 44 à Strasbourg. Et vous avez reproduit ça sur une échelle très grande. Et on voyait la traduction à travers un sismogramme de ce que les gens ont vécu du bombardement de Strasbourg le 10 août 44, je crois. Oui, c'était au mois d'août 44, et c'était dans le cadre de ce travail, effectivement, que je suis tombé sur des graphes qui étaient enregistrés, pas du tout dans ce but-là, mais qui, par les événements historiques, les bombardements de Strasbourg au mois d'août 44, ont créé une représentation d'un événement qui n'avait rien à voir avec les autres représentations que j'avais connues auparavant. On connaît les vues d'en haut, hein, on connaît les vues des bombardiers, on a connu les images des ruines, la vue d'en bas, mais on n'a jamais vu effectivement une représentation à la fois abstraite mais très précise, parce que la machine qui a enregistré cet événement a été construite pour enregistrer des événements très très lointains, à 10 000 km, des tremblements de terre invisibles. Et là, en l'occurrence, c'était quelque chose de proximité. Donc ça fait réfléchir aussi entre le très lointain et le très proche. Un regard sur l'événement qui est complètement impressionnant. Je dis ça, c'est un peu mon avis, mais je pense que les gens qui ont vu ça étaient tout autant impressionnés. Eh bien, on ne va plus parler les frontières, c'est un sacré coup porté à l'attractivité des villes et des parcs et de tout ce qui s'appuie et vit et se développe grâce à la circulation des gens. Et Dominique Hummel, vous qui êtes un spécialiste de ce domaine-là, comment,
comment vous analysez non pas un point ou deux points qui, dont vous dites en cinq minutes il faut vraiment dire ça sur ce qui s'est passé par rapport à mon domaine, l'attractivité et les frontières et... Alors effectivement, moi je représente une industrie magnifique, celle-là aussi, qui est celle du tourisme, qui aujourd'hui fait 8% de la production de richesse d'un pays comme la France. Bon, c'est clair qu'il y a eu un coup d'arrêt phénoménal. Et la question qu'on peut se poser, c'est celle de Jean, tout à l'heure. Quelle est la culture qui peut sortir de cette crise ? Pas forcément, vraisemblablement, née de la crise, mais comme on le disait tout à l'heure, accélérée par la crise. Moi, il y a quelque chose qui, à la fois, me convient, comme sûrement beaucoup d'Alsaciens, j'en suis un parmi vous, et qui, en même temps, m'interpelle, c'est la montée en puissance dans le discours institué, mais pas que, de cette idée que la crise, notamment parce qu'elle limite nos déplacements, elle le fera encore au niveau international un certain temps, nous renvoie à la proximité. C'est vraiment le thème majeur qui est sorti. On le voit d'ailleurs dans les élections départementales et régionales. Lorsque vous regardez le programme de tous les candidats, le thème de circuit court, redécouvrir la proximité, reconquérir l'industrie française, on voit bien qu'il y a des thèses qu'on n'avait peut-être pas oubliées, mais qui à la fois s'imposent, parce qu'effectivement il y a un frein à la mobilité, et il y a du bon à ça. Mais en même temps, pour en tout cas le représentant du tourisme que je suis, interpelle, parce que le tourisme, par définition, c'est aller chercher l'autre, et pas que le tourisme. Je rappelle d'ailleurs qu'une pratique culturelle sur deux en France se fait à l'occasion d'un séjour touristique. Visite de musées, visite d'expositions, etc. Donc on a totalement partilié. Et donc là, il y a quelque chose d'interpellant, parce que j'aime bien dire que voyager, c'est pas juste aller quelque part, c'est revenir différent. Parce que je me suis enrichi de quelque chose de différent, je me suis ressourcé, j'ai découvert une culture. Et ça... ce serait extrêmement dangereux que cette idée en prenne un coup au prétexte qu'au fond c'est très beau autour de chez soi et finalement une forme d'invitation à une sorte de contentement de ça. Il est sûrement un petit peu loin dans la manière dont je résume le propos, mais c'est un peu une alerte lancée sur ce point de vue là. Le tourisme, le voyage tout particulièrement, c'est quelque chose qui suppose l'altérité, suppose la découverte, suppose de sortir de soi, et il ne faudrait pas qu'on oublie ça. J'ai d'ailleurs été vraiment frappé, et un peu plus que ça, par des campagnes de publicité qu'on a vues en masse l'année dernière au mois de juin, juillet, donc on les verra aussi cette année, où en gros des régions, des territoires disaient « c'est pas la peine d'aller très loin, le monde entier existe à côté de chez nous ». Le département de la Loire-Atlantique, j'habite pas très loin, a montré sur une publicité en 4 x 3 mètres un château en disant « Château de la Loire ?» Non, au sud de la Loire-Atlantique. La Vendée, par exemple, a sorti une campagne de communication où le visuel, en gros, faisait la confusion, en tout cas disait « Pourquoi aller en Irlande ?» Il y a en Vendée les paysages de l'Irlande. Donc, comme si on ramenait l'autre à un paysage, alors que la découverte de l'Irlande, voire des châteaux de la Loire, a évidemment aussi une dimension culturelle, etc. Donc il y a un sujet là qui est extrêmement interpellant, et je termine sur ce premier point. Il ne va pas être facile à traiter. Il y a l'ADEME, donc, qui est, pour nos amis européens, l'agence de la transition énergétique en France, vient de sortir une étude qui démontre qu'en gros, si le tourisme, c'est 8% de la richesse nationale, c'est le double en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et lorsqu'on regarde un peu plus dans le détail, l'essentiel de l'émission, et donc de la pollution, de l'empreinte carbone de l'activité touristique, c'est le voyage, aux deux tiers. Et l'essentiel dans le voyage, vous n'allez pas être surpris, c'est l'avion. Voilà. Il y a 9 millions de Français qui, chaque année, quittent la France par l'avion. Il y a 24 millions d'étrangers qui viennent en France, beaucoup par l'avion. Et donc ça représente évidemment une empreinte écologique extrêmement forte. Vous savez que l'accord de Paris demande à venir à une empreinte carbone de 2 tonnes par habitant par an. 2 tonnes par habitant, c'est l'empreinte écologique d'un aller-retour Paris-New York. Donc on voit combien le match va être compliqué. Pour créer de nouveaux avions électriques à hydrogène, etc., ce sont des cycles de 10, 15, 20 ans. Donc on n'est pas prêt du tout à passer à quelque chose qui rende compatible la mobilité internationale telle on l'a connue et les impératifs de la planète. Donc forcément, il y aura un frein qui, vraisemblablement, parce que c'est toujours comme ça qu'on fonctionne, va se traduire par
on va demander à l'industrie aérienne, au sens large, de compenser et donc de payer des taxes, et c'est assez normal. La fiscalité aujourd'hui dans le pays est essentiellement basée sur le travail et sur le capital. Qu'elle soit aussi basée sur votre empreinte écologique ne serait pas choquant. Donc les prix des avions vont monter très vite, et tout ça, ça va également freiner la mobilité. Donc, j'ai dit une chose et son contraire dans mon propos, mais je voulais mettre l'accent là-dessus, c'est que cette crise, en réponse à la question de Jean, elle accouche bien de quelque chose qui nous interpelle, qui est cette nécessité de s'intéresser peut-être un peu plus à la proximité, mais en même temps, elle peut aussi nous interpeller sur ce risque d'une forme de repli. De nous couper du monde. Alors, à ce stade, et puisque Jean doit être dans la salle, Jean Smenen, l'industrie magnifique, pour vous, c'est une bonne idée ? On ne peut pas dire le contraire devant lui. Mais si, vous me prenez pour un idiot, quoi. Alors, vous expliquerez après. Je pourrais me débiner en disant que je pense comme ça. Non, mais sans aller trop loin, dites-nous deux, trois choses sur cet événement qui est le premier événement d'importance sur la place de Strasbourg depuis qu'on a rouvert les portes. Mais sans aller trop loin et sans forcément être gentil. On revient peut-être sur le mot frontière cette fois-ci, mais ce qu'invente ce projet, c'est effectivement quelque chose qui casse les frontières, puisque cette alliance entre un bout de territoire, un créateur, un acteur culturel et puis une entreprise partenaire, déjà je trouve ça intéressant comme dynamique. Je crois qu'on a tout à l'heure des questions sur aussi qu'est-ce qui change dans la dynamique de création. Dans mon métier depuis 10 ans, ce qui a vraiment changé la donne, c'est le fait que effectivement les gens se croisent. Il y avait dans ce métier-là, il y a toujours d'ailleurs des gens qui étaient plutôt cérébraux, Cité des Sciences à Paris, qui parlaient à la tête, des gens qui étaient plutôt dans le côté sensationnel, genre les parcs à manège, et puis des lieux comme celui que j'ai dirigé pendant plus de 15 ans, le Futuroscope, qui avait un parti pris plus émotionnel. Tout ça, c'est largement croisé. Moi, je crois qu'effectivement, la richesse de demain, c'est d'aller plus loin dans le croisement des genres, et en cela, c'est une dynamique intéressante en termes de création. Et d'ailleurs, il y a encore un grand terrain devant nous qui va intéresser beaucoup d'artistes, je l'espère, que j'ai surtout vu pour l'instant au Japon, c'est le croisement entre l'art et la science, qui n'est pas loin de celui qu'on fait ici à travers le croisement de l'art et de l'industrie. Au Japon, vous avez des musées, et pas qu'au Japon, dans les pays asiatiques. Vous avez des équipes comme Tiblab, je ne sais pas si nos amis les connaissent, qui sont des équipes plutôt dans l'art numérique, qui essayent de faire prendre conscience d'un certain nombre d'enjeux, aussi de délivrer de la connaissance scientifique à travers l'expression artistique. Donc, c'est par ça qu'on va progresser, par tous ces croisements un petit peu insolites. Voilà. Et donc, en cela, ici, on a un bel exemple. Donc, c'est scalable et duplicable. Scalable, comme les belles startups. C'est un peu l'espoir, je crois. En tout cas, il y a des territoires qui viennent voir pour regarder comment faire chez eux. Mais il faut trouver un Jean Hansmann un petit peu partout. Et lui, il n'est pas scalable, je crois pas. Alors, je me permets quand même de me tourner vers Anna Konchetsky et vers Valerio Romao. Quand on vous a invité à l'industrie magnifique, ça vous a fait quoi ? Vous vous êtes dit, mais c'est quoi cette histoire ? Ça vous a interpellé ou... Oui, enfin, je crois que la rencontre ou le mariage des différents endroits, c'est rien de nouveau, en tout cas pas pour moi. J'ai l'impression que c'est quelque chose de présent, peut-être pas forcément toujours avec l'industrie, parce que le travail physique, le travail scénique, c'est pas direct en contact avec le cuir ou des choses qu'on a vues par exemple aujourd'hui. Mais évidemment, j'ai l'impression que la question, et ça fait le lien à mon ouverture avec qui est ici assis, la question... à qui on s'adresse et qui est visible et qui mène un travail m'occupe en permanence. Donc de cette question de sortir de nos bulles et d'être à l'écoute et donner la parole, enfin, ça m'occupe en permanence et je cherche mes mariages et je cherche mes rencontres et je me fais inviter à des rencontres, donc je suis très contente. Moi aussi, alors quand Patricia m'a invité pour venir ici, la première chose que j'ai demandé, c'est présentiel ou c'est online, comme toutes les choses qu'on est en train de faire. Non, c'est présentiel, et j'ai dit, alors je... Oui. C'est les deux. Oui, mais je suis ici. C'est la différence, je ne suis pas dans ma maison, dans ma cuisine, avec mes deux chats et la caméra on. Et je la connecte 5 minutes avant et je la déconnecte et c'est passé. Il n'y a aucune expérience pour moi
qui résulte de ça. Il n'y a pas cette pollinisation croisée de pouvoir d'ici une heure parler d'autre chose avec les créateurs, parce qu'on ne va pas appeler les gens qu'on a vus à Zoom une fois. C'est un peu étrange. Et ici, l'expérience de la rencontre. C'est ça. Alors, on va passer. Alors, c'est vrai que c'est un peu avec une arrière-pensée que je vous ai interpellé là-dessus, parce qu'on a l'impression que l'industrie magnifique, finalement, fait tomber des frontières qui avaient été installées déjà bien avant le confinement, mais qui ont été renforcées par le confinement, et que je trouve ça assez fabuleux de retrouver sur un plateau. Et ça continuera après. Alors, on va passer aux deux journalistes qui vont me donner un peu un coup de main. Alors, d'abord, Alberto Mattioli, pour parler de l'opéra, peut-être, parce que c'est votre sujet d'expertise, mais peut-être aussi, si vous voulez bien rebondir et faire un peu mon travail et rebondir sur ce qu'ont dit les uns et les autres. Et ensuite, Stéphane Gobo, de la même manière, nous parler du cinéma. Et de votre expérience, si vous avez envie de dire l'un ou l'autre mot sur la Suisse ou l'Italie, et puis rebondir sur ce qu'ont dit nos autres invités. Bah, tout d'abord, je m'excuse car je suis sûr que je ferai des fautes de français, vous savez, et on sort évidemment d'une année terrible. Tout le monde le sait, tout le monde l'a dit. J'ai quelques chiffres, si vous voulez, très rapidement. Selon la Société italienne des auteurs et des éditeurs, on a eu l'année dernière le 70% de spectacles sur les vivants, 73 mois de billets, et 78 mois de dépenses pour le spectacle vivant. On a perdu à peu près presque 4 milliards d'euros de recettes. Et alors, j'ajoute... Vous parlez de quelle échelle? L'Italie. Je ne parle pas d'opéra, je parle de spectacle vivant. Hein, donc, oui, le théâtre, le cirque, la musique, etc. Et en plus, j'ajoute qu'il y a là, la société du spectacle a reproduit des mécaniques de la société tout court. Et donc, par exemple, il y a eu une grande différence entre des gens garantis, des gens qui travaillent pour les grandes institutions culturelles et les intermittents qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans travail. Moi, j'ai eu la méchante et surprenante et très triste expérience d'avoir ouvert la porte à quelqu'un qui m'amenait une pizza, et c'était un jeune acteur que j'avais vu jouer dans un petit théâtre milanais. Il est évidemment travaillant pour une petite compagnie à cachet, hein, payé s'il travaille. Il n'avait plus de travail, il a essayé de trouver un autre travail. Et c'est quoi l'aspect, selon moi, intéressant et qui donne un peu d'espérance, comme disait notre collègue autrichien sur la suite des événements? C'est que quand il y a un problème, et un grand problème, il y a quelquefois aussi des solutions. Et là, on a vu que l'ambiance a su réagir et surtout a su avoir des idées. Et après la crise, si la crise va terminer, tout le monde sera vacciné, etc., je crois que ce sera intéressant de réfléchir sur les solutions qu'on a élaborées pendant la crise. Parce que, selon moi, il y a là des idées qui méritent d'être développées et suivies. Alors, par exemple, les théâtres d'opéra n'ont pas fermé, au mieux, ils ont fermé au public, mais ils ont continué à jouer, vraiment dans une ambiance surréaliste, comme vous disiez. Vous savez, une opéra à la Scala sans public, c'est quelque chose d'embêtant, c'est quelque chose d'un récit d'Eta Hoffmann, c'est quelque chose de vraiment de surréaliste. Mais là aussi, on a continué à jouer, on a continué à jouer pour les caméras, on a continué à jouer pour le net, on a continué à jouer pour la télé. Mais il y a eu aussi des solutions intéressantes, nouvelles, si je peux porter mon expérience personnelle. Moi, je suis dramaturge au Festival Donizetti de Bergame. Alors, Bergame, si vous vous souvenez, c'est la ville italienne qui a pu souffrir de la pandémie. Peut-être vous avez vu les images terribles de camions de l'armée qui sortaient de la ville, le cadavre de gens
qu'on n'avait plus la possibilité d'incinérer dans la ville, car il était trop. Alors cette ville qui chaque automne consacre un festival à Donizetti, que c'est son fils le plus célèbre, un grand musicien, l'un des plus grands musiciens italiens du 19e siècle. Là, trois semaines avant le début du festival, on a appris qu'il était impossible de jouer avec le public dans la salle. C'était le début du deuxième confinement. Après un été où on avait eu quelques espérances, on avait fait de la programmation, on a découvert que c'était impossible encore. Il y avait encore un autre hiver de notre souffrance. Et là, trois semaines avant le début du festival, on a décidé de transférer tout le festival sur le net. Donc de faire le spectacle au théâtre, mais de jouer pour le net et de construire autour de ce spectacle une dramaturgie, une vraie web télévision entièrement consacrée au festival. Alors pour moi, ça a été un peu difficile, car moi, j'aurais dû réfléchir sur la dramaturgie des opéras, et je me suis retrouvé à faire l'auteur télévision, que ce n'est pas absolument mon métier. Mais ça a été très intéressant, car on a eu une très bonne réponse du public. À peu près 3000 personnes se sont abonnées. Ce n'était pas gratuit, il fallait payer. Et on a eu aussi des gens qui se sont abonnés de la Nouvelle-Zélande plutôt que de l'Australie. Je ne savais pas qu'en Nouvelle-Zélande, on est si passionné pour Donizetti, mais c'est une très belle nouvelle. Et en tout cas, vous imaginez, c'est plutôt improbable que quelqu'un vienne à Bergame de la Nouvelle-Zélande pour écouter un opéra. Et si quelqu'un vient, j'aimerais bien le connaître, car c'est peut-être quelqu'un encore plus passionné que moi. Mais en tout cas, ça a été une expérience intéressante. Je crois que le futur du spectacle sur les vifs, rien, entendons-nous, rien pouvoir remplacer l'expérience au théâtre. Le théâtre existe s'il y a un public, sinon c'est pas du théâtre. Rien pourra remplacer le théâtre, le spectacle vivant avec le public, mais cette crise nous a donné des instruments nouveaux qu'il faudra exploiter. Désormais, chaque institution culturelle devra penser ses activités dans un double registre, celui du public en présence et celui du public virtuel énorme qu'il y a dans le monde. C'est intéressant, et je termine aussi, car avec la crise, qui est une crise aussi économique, il y a là une approche peut-être un peu moins élitiste au théâtre, et vous savez, surtout au théâtre musical, que c'est le plus cher, le plus coûteux pour le public. Et donc, par exemple, la Scala, qui est peut-être le théâtre le plus cher du monde, annonçant la nouvelle saison, a décidé de réduire un peu le prix du billet. Ça, c'est un effet surprenant de la pandémie, de la crise, mais plutôt intéressant. D'accord. Si je comprends bien, pardon, ce que vous dites, c'est que la traduction numérique d'un spectacle peut être un chemin vers le vrai spectacle. Parce que si la traduction numérique d'un spectacle peut être le chemin qui mène vers le vrai spectacle et toutes les émotions, les sensations qu'on peut vivre. Mais si on en faisait l'alpha et l'oméga d'une stratégie, ce serait réduire à bien peu de choses et je crois que notre chorégraphe protesterait, se dire les trois dimensions, le corps, l'émotion, l'expression et le contact et l'échange, c'est ça qui a manqué aussi. Quoi. Oui, je suis absolument d'accord. Je répète, rien pourra remplacer l'expérience directe. Mais, par exemple, par rapport au grand problème de maisons d'opéra dans tout le monde, c'est-à-dire celui du renouvellement du public qui est moyennement âgé, et plutôt conservateur comme goût artistique. Et là, par exemple, on a vu que c'est un bon moyen pour élargir un peu le public. Donc, pour porter un public qui, forcément, ne peut ou ne veut pas venir au théâtre, car c'est difficile d'accès, c'est cher, il faut voyager, etc. Mais on a eu moi au moins, je rencontrais des gens qui avaient vu des spectacles sur le net
et qui ont eu envie de voir le spectacle vivant. J'ajoute qu'il y a eu aussi des expériments artistiques très intéressants à ce propos. Par exemple, l'Opéra de Rome a décidé non pas de faire un spectacle sans public, mais comme s'il y avait le public donc traditionnel avec la scène, l'orchestra dans la fosse, je ne sais pas comment dire en français, mais il a décidé de faire un vrai film sur l'opéra. Ils ont choisi le Barbier de Séville de Rossini et ils ont accepté le pari, le défi. Ils ont réalisé un vrai film opéra qui a très bien marché. C'était Mario Martone, le metteur en scène, qui a très bien marché et qui a été transmis par la télévision publique au début de soirée, donc dans un endroit où on ne trouve jamais en Italie un opéra. Et il a eu un très bon succès, même en termes d'audience. Donc, vous savez, le grand philosophe Benedetto Croce parlait du pessimisme de la raison et de l'optimisme de la volonté. Moi, j'ai décidé, en sortant avec mes chats de cette crise terrible, qu'il faut avoir l'optimisme de la volonté. D'accord. On sait aussi, par exemple, que sur la captation, lorsqu'on capte un spectacle qui a lieu devant le public en temps réel, on est beaucoup plus contraint que s'il n'y a personne dans la salle et qu'on peut placer, évoluer avec les caméras de manière beaucoup plus souple pour saisir le spectacle et l'image. C'est peut-être plus facile, mais c'est moins efficace, car la réponse du public fait partie du spectacle. D'accord, c'est ce que vous auriez pu dire aussi. La réponse du public fait partie du spectacle. Le dialogue avec le public fait partie du spectacle. On continue avec Stéphane Gobeau, donc le cinéma, la Suisse, et puis est-ce que vous avez envie de rebondir sur l'un ou l'autre propos qui a été tenu jusque-là ? C'est vrai que le cinéma, on n'en a pas parlé, mais c'est l'art qui passe le plus facilement les frontières, puisque maintenant avec le cinéma, les projections sont numériques, donc voilà, il suffit à l'industrie hollywoodienne de presser sur un bouton pour envoyer des fichiers en fait à peu près partout dans le monde. Le streaming s'est évidemment renforcé pendant la crise, ça c'est vrai que c'est encore une autre question qu'on va peut-être pas aborder ici, mais je vais effectivement peut-être rebondir sur ce que disait mon confrère, sur toutes les notes d'espoir peut-être qui naissent de ce qu'on a vécu. Alors effectivement, pour les festivals de cinéma, notamment en Suisse, il y a aussi eu cette possibilité de tout à coup trouver un public plus large qui va être un nouveau modèle. On a un festival de cinéma documentaire qui s'appelle Vision du Réel, qui fait partie des grands festivals de cinéma documentaire en Europe, comme Cinéma du Réel à Paris. Et là, c'était les premiers en avril 2020, donc vraiment au début du confinement, d'aller sur un modèle en streaming total avec des premières mondiales de leurs films. Le cinéma documentaire, effectivement, il y a peut-être d'autres règles dans le grand cinéma commercial où les producteurs ne veulent pas donner des premières mondiales en ligne. Et là, en fait, ils ont touché un public très large à travers le monde. Donc, je pense qu'il y aura un nouveau modèle qui pourra se mettre en place pour l'image, les festivals de cinéma, c'est-à-dire du présentiel pour les gens qui sont proches et du streaming pour les gens qui sont plus éloignés. On règle en même temps des problèmes de coûts de transport, d'écologie par la même occasion. Ça, c'était pour l'aspect cinéma. En fait, pour ce qu'on peut tirer peut-être de positif de cette crise, j'ai l'impression, notamment en Suisse, on a remarqué au début que la culture n'était pas en acquis pour tout le monde. C'était voilà, c'est en acquis, c'est normal de pouvoir le week-end avoir une pratique culturelle, et de tout à coup il y a ce manque quand on l'a plus. Donc les gens ont réalisé ça, et on a surtout réalisé que c'était vraiment une industrie. On a ressorti des chiffres, notamment en Suisse, que l'industrie de la culture de manière très large génère, il y avait une étude de la Confédération il y a plusieurs années, 70 milliards de retombées économiques. Et quand on avait avancé ce chiffre il y a quelques années, un correcteur nous avait dit non, mais ça doit être 70 millions. On avait dit non, c'est 70 milliards. Parce que si on prend par exemple la fondation Bayler, près de Bâle, qui attire énormément de gens qui viennent passer en week-end, voilà, qui consomment, qui entrent dans les hôtels, les grands festivals, que ce soit d'art lyrique, de musique classique, de musique actuelle, fait que, avec justement, si on passe outre les frontières et avec le tourisme et tout ce que ça amène, c'est une grande richesse. Donc on a remarqué l'importance de cette industrie culturelle. Et les politiques ont commencé à remarquer ça. Ils n'ont pas prononcé le mot artiste, le mot indépendant culture pendant très longtemps, lors des points presse autour de la pandémie et du coronavirus. Et finalement, je pense qu'ils ont pris l'importance aussi économique de la culture. C'est pas juste un moyen de comprendre le monde. On aime le regard des artistes pour ce qu'ils nous apportent
sur le monde, leur compréhension du monde qui nous enrichissent, nous en tant que spectateurs, lecteurs ou visiteurs d'expositions. Mais en fait, les politiques ont pris conscience de l'importance du poids culturel de la culture. Et ça, c'était une chose très importante. Et en Suisse, pour parler des frontières, puisque nous, on a des frontières intérieures qui sont les frontières linguistiques, puisqu'on a 4 régions linguistiques, la partie germanophone, italophone, francophone d'où je viens et la partie romanche qu'on a souvent tendance à oublier. C'est souvent difficile pour les artistes de passer d'une frontière à l'autre, parfois dans les arts vivants notamment. Les germanophones ont besoin de passer la frontière d'aller en Allemagne, les francophones auront besoin d'aller en France, les artistes italophones en Italie, donc on a besoin de ces frontières. Et tout à coup, de ne plus les avoir, en fait, les gens se sont fédérés. On a eu la task force du Conseil fédéral au niveau de l'épidémie, et tout à coup, c'est créé une task force culture, en fait. Beaucoup d'associations culturelles se sont réunies ensemble pour faire pression auprès du gouvernement du Conseil fédéral pour avoir plus d'aide. Et des pratiques artistiques qui ne se côtoyaient pas, les musiques actuelles et le classique, peut-être, qui se regardent parfois en chien de faïence. Les arts, le théâtre et la danse, peut-être justement la photographie avec les arts plastiques, tout le monde s'est fédéré vraiment. Donc il y a eu ça, on a dépassé les frontières linguistiques et les frontières des disciplines et des pratiques. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'intéressant pour la suite, en fait. On a compris le poids de cette industrie et les acteurs culturels qui font la richesse de cette industrie se sont fédérés. Et ça, c'est quelque chose de totalement inédit. Et ça me laisse espérer de quelque chose peut-être de positif pour la suite. Merci. Alors, on va faire un dernier tour de table assez rapide. D'abord, si vous voulez réagir à ce qui a été dit, que vous approuvez, que vous n'approuvez pas. Et puis ensuite, un petit devoir, c'est hier, aujourd'hui, et comment on se projette sur demain. Et puis peut-être un mot. Si vous avez un mot à offrir au public, en guise de viatique, un mot qui trace une ligne ou qui ouvre une perspective pour la suite, on va commencer avec Valerio Romao. Je sais que vous travaillez sur une épidémie de danse. Enfin, vous partez de l'idée de l'épidémie de danse au XVIe siècle à Strasbourg inventer quelque chose, une fiction, et ça sera le travail de vos prochains mois, ou dites-nous un peu où vous en êtes de ce projet. Bon, c'est une heureuse coïncidence que il y a à peu près deux, trois ans, j'ai lu sur l'épidémie de danse de Strasbourg en 1518, et j'ai participé à une espèce de concours au Portugal pour une bourse de création littéraire annuelle. Pour écrire un roman qui part de cette idée assez bizarre que non seulement l'épidémie est conduite par un agent pathogénique quelconque, et avec des manifestations physiques, mais peut-être il y a des épidémies purement spirituelles, si on peut le dire. On peut par exemple prendre l'exemple d'un avion. Si quelqu'un dit je me sens pas bien, ça doit être le déjeuner qu'on a eu, tout le monde tombe malade, et c'est un comptage purement non physique. Et j'ai eu l'idée de faire un roman sur Lisbonne parce que la critique m'a classifié très rapidement comme un écrivain de l'intimisme, de la famille, presque un néo-réaliste. Et j'étais un peu marre de ça. J'ai décidé de faire un roman sur Lisbonne partant d'une prémisse simple. Il y a une épidémie de lesbianisme dans une rue de Lisbonne. Et alors, il faut contenir ça. Et alors, je dis que ça, c'est avant la pandémie du coronavirus. Alors, je n'ai pas copié l'idée. Ne cherchez pas d'excuses. Vous êtes libre. Oui, mais j'ai des preuves. Et penser à faire une chose un peu plus, je ne sais pas, parodier un peu, sortir de ma place confortable d'écrivain responsable et sérieux, et faire quelque chose comme une épidémie de lesbianisme qui commence en Lisbonne et
parcourt toute l'Europe et tout le monde, et avec des chercheurs qui essayent de trouver, moi je ne sais pas exactement comment le traduire en français, mais le deslesbianisateur, en portugais c'est plus facile, une figure mythique qui parcourt la littérature européenne, comme avec Don Giovanni et même le James Bond de Ian Fleming. C'est quelque chose comme le super-homme érotique qui peut débloquer cette situation pandémique. Et là, vous êtes en plein dedans, ou vous êtes en train d'écrire? Je suis en train de faire la recherche sur... Vous vous intéressez à l'épisode alsacien? Vous faites de la recherche historique pour vous inspirer un peu, ou c'est juste l'idée de départ qui... C'est l'idée de départ, surtout. C'est l'idée de départ. Ce n'est pas une question de recherche du point de vue académique. C'est quelque chose d'être un peu contagié par l'idée, imaginer les choses comme elles sont passées. Et alors, quel est le mot que vous avez envie de poser sur la table et qui restera là quand vous serez parti? Moi, je pense que désaccélération. Désaccélération, d'accord. Oui, on nous avait dit que ce n'était pas possible de travailler... Le télétravail, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas s'arrêter durant 3 jours parce que le monde allait terminer. Et tout à coup, on comprend que peut-être que cette accélération contemporaine de faire tout et d'être partout, on peut faire différent. Le slow. Peut-être, oui. Ça vous va bien. Eh bien, on passe à votre voisine, Anna Konietzky. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre troupe dans vos ateliers aussi, hein, puisque vous avez presque des laboratoires où vous travaillez? De quoi seront faites les prochaines semaines, et quelle est la porte de sortie que vous choisissez? Est-ce que je peux d'abord juste rebondir sur un petit... Oui, tout à fait. Parce que ça m'a interpellée, parce que ça m'occupe, comme beaucoup d'artistes, cette question du digital. Est-ce que ça restera? Qu'est-ce qu'on fait? Et évidemment, il y a plein de choses bien aussi. Mais d'une sorte, par exemple, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Et ça relie ce que vous avez parlé du voyage. Parce que je crois qu'on a un problème de tout est accessible. Si on a cette sensation, justement, je peux regarder un spectacle en Nouvelle-Zélande ou en Rome ou n'importe où. Donc, tout est accessible et rien n'est accessible. Et je crois qu'on a beaucoup, beaucoup de malentendus de qu'est-ce que c'est une expérience. Si vous dites, par exemple, on donne une expérience à des gens, je ne suis pas sûre pour la plupart du temps, je crois qu'on ne donne pas d'expérience parce que les gens, ils regardent sur leur laptop pendant qu'ils sont en train de faire la cuisine. Ou moi, je serai aussi avec mon chat ou j'en sais rien. Donc, l'expérience, elle est à distance. Il y a une distance. Et que moi, je crois, ce que ça peut nous apprendre, cette pandémie, et c'est pour ça que ça lie la question du voyage, peut-être il ne faut pas arrêter de voyager, mais de la manière comme on voyage, que je vais hop et New York, et hop et Tokyo, et hop et tout ça, où j'arrive même pas, je ne vais pas physiquement, je ne peux pas, peut-être on croit qu'on est très smart, des fois je ne crois pas, parce que le corps, il réagit en delay comme le corps, c'est ma spécialité, je suis expert de corps, on va dire aujourd'hui. Il y a un delay et de cette vitesse qu'on mène de vie, donc je peux joindre ça et du voyage, on n'est pas en résonance, on n'est pas en expérience. Donc c'est dans ce sens-là que je ne suis pas sûre que c'est nécessaire que je dois regarder tous les spectacles du monde entier, peut-être disponibles. Et donc je crois, oui, il faudra moins voyager, c'est sûr, parce que plein de fois on a des photos, mais on n'a en fait pas voyagé, on n'y est jamais arrivé. Voilà, ça c'était juste ce que je rebondis. Sinon, je crois le mot « dé », je trouve très intéressant cette préface. Moi, j'aurais comme mot peut-être dit « il faut qu'on décentralise de nous, il faut qu'on nous sorte du centre du monde, surtout ici, là, au nord. En général, je crois qu'il faut décentraliser. Le « dé », j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres mots avec « dé ». Je crois qu'il faut... ce n'était pas la question du tout. Mais je travaille comme une malade tout le temps. Je suis
je travaille tout le temps et j'adore travailler, donc peut-être je travaille un peu trop, mais je ne vais pas vous dire tout mon agenda, je vais là à Athènes, et puis on a des spectacles à Munich avec une reprise que j'avais fait à Strasbourg, non pas à Strasbourg, à Saarbrück, mais pour le ballet qu'on reprend avec le danseur Munich, c'était sorti justement comme on peut aussi aux danseurs donner du travail, qui sont, que c'est quand même vachement la merde. Et puis voilà, ça continue. Enfin, et puis il y aura, ça continue. Est-ce qu'il y aura un projet strasbourgeois un jour? Avec grand plaisir. Voilà, ça doit venir. D'accord. C'est vous nous cacher quelque chose ou non, c'est pas juste, du tout. C'est un peu. J'ai pas forcément des contacts. D'accord. Ici, donc okay. Avec plaisir. Bah, profitez-en. Je peux vous donner mon email, c'est le moment de faire la pub. Moi, je ne suis pas, pas du tout, c'est pas mon métier, je ne sais pas faire. Mais il y a Strasbourg, Pôle Sud, qui a une structure fabuleuse. Je sais, malheureusement, moi, je vais remplacer Joël Smadia dans le deuxième talk, sinon, on a des contacts. Voilà. Bon, super, super. Et le mot que vous posez sur la table? Décentralisation. D'accord. Ok, pardon. On est sur le dé, je jette le dé, je passe à votre voisin, Arnaud Guissinger. Dites-nous la suite. Oui, je rajouterais. Nous, on termine ce travail qui a été fait ici à Strasbourg avec un livre. Donc ça reste un médium aussi très important, malgré le numérique, et j'insiste beaucoup sur le livre et la bibliothèque, et encore une fois le petit recul qu'on a par rapport au projet. Je voulais peut-être rajouter, dans le même sens que ce que disait Anna, par rapport à l'expérience, si je parle là aussi, à partir des arts plastiques et de l'expérience, on a parlé de l'expérience de la rencontre, l'expérience du spectacle, mais aussi de l'expérience de l'œuvre. Et je pense que ça, c'est vraiment une belle leçon ici avec l'industrie magnifique, l'expérience des œuvres dans l'espace et aussi cette prise de conscience. Je ne parlerai pas de l'aura dans le sens ancien du terme, mais quand même, il y a quelque chose qui se passe de l'ordre de l'expérience, simplement quand on est en face des œuvres. Donc ça, c'est très important pour moi. Une deuxième chose, peut-être un peu plus nuancée, un peu plus critique aussi, quand je disais tout à l'heure que la crise était une chance, ce n'était pas forcément dans le sens de régler les problèmes, mais plutôt de prise de conscience. Hein. C'était plutôt un avertissement. Et je pense qu'il y en a beaucoup de ces avertissements. Là aussi, je pense que la question des inégalités a été accélérée et accentuée. Et je pense que oui, quand on sera tous vaccinés, mais bon, en même temps, le Sud n'est pas du tout vacciné. Et je pense que j'ai lu un article hier dans Le Monde qui disait cette phrase, elle ne fonctionne pas si les pays du Sud ne sont pas vaccinés, non simplement pour les autres, mais aussi pour nous. Donc ça nous a donné cette conscience que les inégalités existent aussi pour les vaccins et l'accessibilité aux vaccins. Et puis mon mot, c'est pas un dé, c'est un re ou un ré. C'est le mot, pour terminer aussi avec la sismologie, c'est le mot réplique. Il y a plusieurs interprétations, hein, je ne connais pas toutes, mais je pense que chacun de vous, chacune sait qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une réplique au théâtre, une réplique aussi à quelqu'un face à face. Il y a aussi une réplique dans les tremblements de terre qui sont toujours un risque supplémentaire, et ainsi de suite. Donc j'aimerais bien proposer ce mot réplique pour ce soir. Merci. Merci. Alors, vous avez chacun à peu près 2-3 minutes hein, pour respecter le timing. Monsieur Hummel, quelle est la suite? La remarque qui a été faite en fin de débat sur finalement quelles sont les œuvres qui peuvent sortir aussi en termes de création, moi je sens pointer quelque chose qui repose sur une tendance de société qui a été accélérée, c'est le rapport à la nature. Et l'année dernière et cette année on est parti pour vivre la même chose, là où les locations meublées ont le plus augmenté, c'est dans des départements comme le Jura, les Vosges, la Dordogne, où les progressions ont été de plus de 100%. La campagne est en train de devenir une destination comme l'est la mer, comme l'est la montagne, et elle le devient à cause de ce qu'on appelle précisément le slow tourisme, ce mot là existe dans cette profession, et qui est cette envie de nature que évidemment la Covid a dopé et qui vraisemblablement est une tendance de moyen à long terme.
Et du coup, ça devient presque une question aux artistes, en clin d'œil à l'industrie magnifique. L'industrie magnifique joue l'espace urbain dans la niche et dans la rencontre. Je pense que l'espace végétal, l'espace naturel, est aussi un espace intéressant pour accueillir l'œuvre. D'ailleurs, le Land Art, ça existe. Il y a eu des belles choses, je crois, il y a longtemps à Strasbourg avec Niels Oudo. Moi, je vois aujourd'hui, et je travaille notamment pour le Rhône sur ces idées-là, des parcours artistiques, des parcours et qui font que la nature n'est pas simplement l'instrument d'un plaisir, la glisse à la montagne, par exemple, ou la baignade en bord de la mer, mais aussi une proposition d'expérience que l'on propose, notamment avec l'ajout artistique, pour prendre conscience qu'on est l'élément d'un tout. Et ce nouveau rapport à la nature, qui n'est pas d'en faire simplement un instrument, mais de mesurer combien, au fond, nous vivons avec elle, peut être aussi, du coup, un élément de progrès de société. Notamment pour les enfants, je disais une statistique terrible, aujourd'hui, un enfant est capable de citer plus 50 marques commerciales, mais seulement 5 espèces, noms d'espèces de fleurs ou d'armes. Mon propre petit-fils, j'en ai 7, mais celui-là, c'était extraordinaire. Je l'ai emmené dans un zoo il n'y a pas longtemps, on a vu un zèbre, il m'a dit, c'est quelle marque? Voilà. Donc on a tous travail à faire et je pense que ce rapport au végétal, en particulier à la nature, peut être aussi un vecteur de créativité, de rencontre avec le monde de l'art, à travers des parcours, à travers des sentiers, à travers des expériences qui nous rendent l'art la nature sensible. Alors, et puis, quel est le mot pour vous? Oui, c'est bien, je n'ai presque fini. Donc moi, je vais proposer sérendipité. Donc on sait que c'est comme ça que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, d'autres des recettes des cuisines et d'autres des vaccins. Mais finalement, cette Covid est un accident, évidemment. Comment les accidents deviennent fertiles de quelque chose, notamment pour les artistes, mais pas que, aussi pour ceux qui gèrent des entreprises. Comment, au fond, le hasard devient, et l'inattendu devient aussi quelque chose qui, avec la sagacité, parce qu'il ne s'agit pas de simplement se laisser piloter par le hasard, peut être une source d'innovation et de création. Merci. Monsieur Volkov, chercher ce qu'on ne trouve pas, non, trouver ce qu'on ne cherche pas, pardon, pour rebondir sur ce que disait votre voisin. Je vais essayer d'être extrêmement bref, je comprends qu'on est déjà au bout de notre événement. Et moi, j'aimerais dire en fait deux choses uniquement. La première, moi je suis très, très heureux que j'ai pu participer à cet événement et écouter ce qui a été dit par d'autres panélistes. Et j'ai vu avec un grand plaisir donc, que les idées, en gros, ils sont partagées. Donc tout ce que j'ai entendu confirme donc mes propres convictions, ma propre vision de la situation où on est. D'autres choses, moi je voudrais revenir à l'ère après Covid. Donc ce sera, j'espère, bien prochainement. Ce que peut nous donner. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Je crois que premièrement, après donc la terminaison de Covid, nous allons avoir un grand développement d'intérêt qui serait un peu partout dans nos propres pays et entre les pays que nous représentons. Donc le tourisme sera réanimé, donc nous allons avoir un grand nombre des échanges culturels, scientifiques, éducatifs, et ce sera certainement en faveur de notre monde, de notre compréhension mutuelle. Cela redonne aussi, je crois, donc un côté économique, et cela aussi sera en positif. Deuxièmement, ce que nous avons obtenu, si on peut le dire, grâce au Covid, donc on est très avancé technologiquement. Je dois vous dire que, par exemple, nous, dans notre centre, nous faisons au moins 2 grands événements en Zoom par semaine, et moi j'ai réussi à faire venir des très grands noms de Russie et de France au niveau des académiciens, des écrivains, des cosmonautes, donc des artistes. Donc ce sont les noms qui ne pourraient pas être invités, donc ramenés à notre centre avec une autre source de financement et tout cela. Donc comme ça, donc cela nous donne une nouvelle opportunité que nous allons continuer donc en bénéficier pleinement. Et moi je veux vous féliciter parce que ce que vous faites aujourd'hui, c'est un forum hybride que je rêve à faire chez moi. Donc c'est pas si simple qui s'apparente. Et j'espère bien qu'après vous, donc grâce à votre exemple, on va aussi faire des choses importantes que vous avez réussi à faire. Et donc pas pour discuter, mais donc pour rebondir sur ce qui a été dit concernant
la forme de travail en ligne, des réunions en ligne. Moi, je pense que certainement, il y a des genres d'opéra, musique, d'autres théâtres qui, certainement, ils sont beaucoup mieux sur la scène, donc, en présentiel, quand vous êtes face à face avec l'interprète. Mais il y a pas mal de domaines où on peut rester aussi en ligne, comme l'éducation, science et d'autres. Parce que, par exemple, on a fait... Je comprends bien, oui, je termine. Deux exemples. On a réussi à faire chez nous des conférences qui sont similaires à vôtres, avec des participations des scientifiques un peu partout dans le monde, sur le Covid aussi, pas uniquement dans le domaine de la culture. Et deuxièmement, nous avons dans notre centre 600 étudiants qui apprennent la langue russe. Et deux jours après les restrictions qui ont été annoncées en mois de mars, nous avons passé à l'éducation. Oui, on n'a pas perdu une seule personne qui a étudié la langue russe. Et juste pour terminer, moi je voudrais aussi m'associer à ce qui a été dit à propos de l'industrie magnifique, parce que ça m'a beaucoup impressionné. Je dois remercier Jean pour son visite guidée, pour sa présentation, surtout que c'est aussi un exemple de coopération entre les pays, entre les peuples. Votre mot, le mot que vous posez sur la table. C'est très simple. Cette année, c'est le 200e anniversaire de Dostoïevski. Donc, je reformule ce qu'il a dit, c'est la culture sauvera le monde. Ok, Dostoïevski. Eh bien, on passe à Alberto Mattioli et puis à votre voisin Stéphane Gobo. Si vous voulez, vous avez les mots de la fin, tous les deux. Allez-y. Bah, projet, réussir enfin à écrire un livre. Quand j'étais confiné, je me disais, enfin, on a le temps d'écrire. Et j'ai absolument pas réussi à écrire une seule ligne, car on était un peu déconnecté. Et donc, c'était difficile. Le mot que je propose, c'est communauté. Communauté, j'ai eu l'impression que cette tragédie a donné un sentiment d'appartenance très fort. Et en particulier, je l'ai prouvé vers les gens qui partagent la même passion. Le fait qu'il a été très difficile d'expliquer aux gens que c'était vraiment un problème pour nous de ne pas pouvoir aller au théâtre, a été la démonstration pour moi que cette communauté est plutôt réduite et il faut essayer de l'élargir. Voilà. Comme j'ai le mot de la fin, je vais poser comme mot qui n'a pas encore été prononcé, qui est essentiel, parce qu'effectivement, la culture est-elle essentielle ou non? Il y a eu tous ces débats l'année dernière avec les commerces essentiels ou non essentiels. Est-ce qu'une librairie est un commerce essentiel par rapport à un magasin d'alimentation? Donc essentiel me semble être ce mot, parce que la culture est essentielle. Pour nous, en tant que citoyens, on a besoin de culture. J'ai absolument pas envie de vivre dans un monde sans culture. D'ailleurs, comme je le disais, ça nous aide à avoir une compréhension du monde. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les dictatures, qu'elles soient politiques ou religieuses, essayent de museler la parole et la pratique des artistes en général. Donc, la culture est essentielle. Et puis, comme je le disais, que les collectivités publiques, privées, le mécénat prennent conscience de cette essentialité et continuent à soutenir les artistes qui en ont besoin, parce qu'ils ont quand même méchamment souffert de cette pandémie. Monsieur Hummel, rappelez-moi votre mot, je l'ai oublié. Sérendipité, c'était un mot. On arrive au bout de cette table ronde. Décélération, décentralisation, réplique. Sérendipité, Dostoïevski, communauté et essentiel. Voilà, vous avez de quoi inventer le monde de demain, débrouillez-vous et bonne soirée.
Bonsoir, eh bien, voici engagés dans cette deuxième table ronde de la soirée. La première a été à l'échelle européenne, la deuxième, est, on fait un zoom un peu comme Thomas Pesquet depuis l'espace quand il s'intéresse aux détails des choses, un point plus détaillé. On va parler de Strasbourg, mais aussi de disciplines artistiques, de pratiques culturelles. Et puis, avec ce deuxième plateau, donc, je vais très, très rapidement... présenter les personnes qui sont présentes. On fonctionne selon le même principe que tout à l'heure, c'est des mots qui sont posés sur la table et qui font réagir. Évidemment, le temps est contraint, mais n'hésitez pas à répondre ou à répliquer, pour reprendre un mot de la table ronde précédente. Tout cela va nous mener jusqu'à 20h30, si je ne fais pas d'erreur. Alors, tout de suite à ma gauche, Barbara Engelhardt, vous êtes directrice du Maillon. Et pour chacun des invités, j'associe un mot-clé. Pour vous, c'est évidemment théâtre. Ça tombe sous le sens. À côté de vous, Alain Pérou, vous êtes directeur de l'Opéra National du Rhin. Vous avez deux mots-clés. Et pas un, c'est art lyrique. Donc, il y a deux mots-clés. À côté de vous, Julia Dumais, qui est adjointe à la maire de Strasbourg en charge des relations européennes, mais qui connaît un peu quand même les problématiques culturelles avec son passé. Et puis pour vous, le mot-clé est tout trouvé, c'est ville. À côté de vous, Paul Lang, le directeur des musées de la ville de Strasbourg, qui ont ouvert le 19 mai et qui accueillent leur public et qui ont de beaux projets. Et puis pour vous, le mot-clé, c'est musée. Georges Eck, qui est à côté de vous, qui représente Vidéo les Beaux Jours. Et là, c'est image. Alors, image avec un S majuscule. Là, pour le coup, on le met à la fin du mot. On le met pas au début. Et puis, à côté de vous, Anya Konjetski, qui est chorégraphe et danseuse, qui remplace Madame Smadia, qui n'a pas pu venir, mais qui représente la danse. Et qui aura peut-être un jour des projets strasbourgeois, qui sait. Peut-être que votre passage ici va vous inspirer. Et puis, last but not least, Thierry Danet, qui est le directeur d'Artefact. Là, on aurait pu prendre plein de mots-clés. Voilà, je vous en attribue deux. C'est musique actuelle. Je pense que Serge Hartmann parle du temple des musiques actuelles, etc. Donc, autant sacrifier aux habitudes et aux coutumes. Donc, on est là pour parler culture, parler crise de la culture, parler culture et Covid. Vous imaginez que le débat est vaste. On va voir où ça va nous emmener. Tout à l'heure, c'était plutôt intéressant. Barbara Engelhardt, deux mots sur lesquels réagiront les uns et les autres, mais qui sont des mots polysémiques. Donc, on peut mettre derrière ces mots ce qu'on a envie de mettre derrière. Essentiel, non essentiel. Alors, c'est à moi de commencer. D'accord. C'est à vous de commencer. D'accord. D'abord, bonjour. Le public qu'on retrouve dans la salle ici et le public aussi derrière les écrans. On a pratiqué cette forme de rencontre avec le public rarement ces dernières fois. Donc on est bien dans la dynamique de la reprise, de la réouverture de nos salles, ce qui nous donne un autre élan aussi, peut-être pour parler des effets, des impacts, des conséquences, des réflexions qu'on mène ensemble dans cette période qu'on ne peut pas encore appeler post-pandémique, mais on est encore plein dedans. Essentiel et non essentiel. Oui, la question a été ou s'est posée pendant la crise, pendant les confinements, en quoi la culture serait essentielle, quels seraient les critères pour définir ce qui est essentiel ou non essentiel. Je pense, moi, puisque je lis l'expression, la notion de l'espace commun à la notion de la culture, qu'elle est en effet essentielle parce qu'elle représente un espace et une pensée partagée. Et ce commun, il faut le mettre en œuvre, il faut le partager, il faut le chercher, il faut l'interroger. Et c'est justement à travers la culture que ça peut se faire, entre autres,
mais c'est aussi là où la culture s'interroge, se questionne elle-même, donc l'artistique, dans son rapport à la société, par rapport à la perception de la réalité, la perception de ce que sont les liens sociaux qu'il faut reconquérir, qu'il faut re-impulser avec du sens, avec des pratiques culturelles. C'est là où va se jouer le côté essentiel de la culture. Alors, concernant le maillon, vous avez, vous, on sait que vous travaillez de manière transfrontalière, que vous avez beaucoup de relations de l'autre côté de la frontière. Tout ça, ça s'est éteint depuis un peu plus d'un an. Vous en êtes où de cet aspect de vos actions ? Au niveau des frontières qui sont remontées d'un coup au moment où on s'est rendu compte que l'Europe aussi a été impactée par la question, la notion des frontières. Oui, c'était douloureux, bien sûr, aussi, parce que le Maillon est un théâtre de vocation européenne. Donc, on a une programmation qui accueille des compagnies, des artistes internationaux. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation où nos activités étaient entravées par ces nouvelles frontières. Une frontière entre la France et l'Allemagne, bien sûr, parce qu'on a aussi un public allemand. Donc il y a une circulation des publics, une circulation des artistes qui est nécessaire, je pense, à cette... ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est de le travailler sur l'écart entre nous et l'autre, définir ce que c'est l'autre, justement parce que l'écart, la différence entre nous et l'autre est la richesse et la diversité que l'Europe ou le travail avec l'international transfrontalier ou européen nous peut animer et vraiment donner du sens aussi à ce travail. Alors c'est vrai que quand je me suis promené un peu sur les sites des différentes institutions qui sont représentées ce soir, parfois on a l'impression qu'ils ont été figés par la crise aussi. Pour la lettrice, c'est autre chose, c'est qu'il y a une espèce d'hyperactivité, on est là, on est présent, on affirme notre présence, on fait tout ce qui est possible. Vous écrivez à propos de la culture, elle nous permet de rencontrer l'inconnu dans votre éditorial, hein, je crois que c'est vous qui le signez. Elle nous permet de rencontrer l'inconnu, je souligne le mot rencontrer, cet anonyme que nous croisons, je souligne le mot croisé, dans des lieux publics que nous entrevoyons en passant, avec qui nous échangeons quelques mots et regards, nous assurant ainsi de notre propre présence, c'est-à-dire que c'est par la présence de l'autre qu'on existe soi-même, et là on est dans le spectacle et dans l'échange avec le public. Alors vous avez une association qui s'appelle Maillon Plus, je crois qu'il tient son assemblée générale demain, après-demain. Samedi soir. Samedi. Maillon Plus, c'est les gens qui viennent au Maillon. C'est les gens qui accompagnent le Maillon, qui vivent un peu avec lui. Comment vous avez traversé cette année avec cette communauté ? Avec les spectateurs, on a essayé en effet de rester auprès d'eux, en lien avec eux, ce qui est difficile parce que tout ne se fait à travers... Tout ne se fait pas à travers un écran, même si on a inventé des formats numériques, on a passé commande à des artistes pour plus travailler sur le sonore, sur le récit, sur la narration, pas forcément sur le visuel, parce que je nous sentais tous un peu épuisés par le trop de visuel aussi, diffusé par les écrans, les rencontres... Avec écrans interposés qui ne sont pas du tout, on en a parlé tout à l'heure, qui ne laissent pas du tout les mêmes impressions, qui ne nous engagent pas non plus dans le même dialogue, forme de dialogue. Donc, ce qui était difficile pour ce public-là était de se rendre compte que l'activité continuait constamment et que cette crise ou ce confinement nous a permis. Et ce n'est pas une chance, mais c'est une opportunité qu'on a pu saisir en rendre le temps suspendu aux artistes en disant on annule les dates des spectacles invités, mais on vous invite à vous déplacer. Alors là, je reprends plutôt les mots-clés que Anna tout à l'heure a amené aussi dans la discussion, de s'arrêter, de faire un pas de côté
et de travailler autrement. Donc ne pas être en résidence de création où on est dans la linéarité d'un processus de travail qui aboutit, qui amène l'artiste à créer un spectacle qui sera prêt à être vendu, entre guillemets, mais à prendre le temps de faire autre chose, de creuser là où de nouvelles questions ou peut-être des anciennes interrogations se sont posées. Et ceci, on a pu faire pendant ce temps mort pour le public, mais qui n'était pas du tout mort pour l'artiste. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, dans l'échange, il y a quelque chose qui a été dit, qui est revenu d'ailleurs plusieurs fois, c'est que le temps du confinement et de cette immense parenthèse a été plus fatigant qu'un temps de travail normal pour les artistes et pour les gens qui encadrent des structures culturelles ou des gens qui créent des œuvres. C'est que paradoxalement, faire, défaire, changer un calendrier, revoir et tout ça, ça a été extrêmement épuisant. Et que, alors qu'on aurait pu s'imaginer que c'était une pause, voilà, pause, la danseuse s'arrête, elle se fige, elle bouge plus. Non, ça a été une période d'intense activité. C'était intense et c'était surtout peut-être on va en parler tout à l'heure aussi, c'était une façon de devoir se poser la question, est-ce qu'on veut s'adapter à cette situation ou est-ce qu'on veut tirer quelque chose ou est-ce qu'on veut rester à l'écart et observer. Donc là, il faut aussi combiner les différentes attitudes, comportements et réflexions et aussi les différentes détresses que ça a généré, une véritable détresse économique bien sûr, mais aussi souvent psychologique parce que des artistes souvent ils travaillent de manière solitaire. Et ils ont besoin de leur public, ils veulent rencontrer le public, ils veulent avoir le retour, le public, le regard du public comme un miroir aussi, qui les impulse autrement que travailler en studio ou peaufiner un dossier pour le prochain tour des subventions à donner. Merci. Alors, juste une petite précision technique, on m'a dit tout à l'heure qu'il fallait que vous portiez bien le micro devant la bouche pour que les gens entendent bien dans la salle, mais vous l'avez bien fait. Donc rien à redire, je le dis pour ceux qui vont intervenir après. On va maintenant interroger Alain Perrault qui dirige l'Opéra National du Rhin. Lorsque j'ai échangé avec Serge Hartmann pour préparer cette rencontre, parce qu'évidemment je ne suis pas un grand spécialiste de vos institutions, il m'a dit, mais tu vas voir, il n'a jamais baissé les bras. Et donc c'est vrai qu'on a l'impression que l'Opéra National du Rhin s'est fait fort de mener des projets, même si elle ne pouvait plus, s'ils ne pouvaient plus être menés directement avec le public. Et c'est une manière aussi de dire finalement que c'était essentiel de pas éteindre et de continuer. Vous pouvez nous parler un peu de cette année que vous avez traversée en changeant de métier finalement? Alors, en changeant de métier tout en continuant de pratiquer nos métiers, c'est ça qui était très important, je pense. Quand vous avez affaire à une maison qui emploie beaucoup de gens avec des savoir-faire très divers, c'est ça qui fait la beauté de l'opéra et sa dimension compliquée. C'est que vous devez faire travailler ensemble. Bon, on a que 244 permanents, plus des intermittents, 500 par saison quand même, répartis sur différentes productions d'opéra et de ballet. Donc, c'est un vrai défi et c'est vrai que je dois dire que le premier confinement alors, a été évidemment un choc pour tout le monde, hein, j'imagine, mais d'autant plus dans une maison comme celle-ci. Vous avez des danseurs qui, pendant 2 mois et demi, étaient enfermés chez eux, ne pouvaient plus danser, ont perdu du muscle, vous voyez. Donc après, il a fallu, au premier déconfinement, déjà, on se remuscle, on refait des sauts, etc. Et on pourrait en dire autant, des gens qui travaillent dans nos ateliers, des techniciens de plateau qui n'avaient plus rien à faire. Donc, passé la sidération première, le premier confinement a été très dur de ce point de vue-là. Et fort heureusement, et je trouve que de ce point de vue, les décisions qui ont été prises au niveau gouvernemental étaient assez bonnes, puisque au deuxième confinement, on nous a autorisés à travailler, à répéter, en mettant en place des protocoles très contraignants, très, très stricts, pour protéger nos salariés déjà, puisque c'est notre obligation première. Mais c'est vrai qu'il me semblait important que les équipes puissent continuer d'exercer leur métier, de préparer des spectacles, mais qu'elles ne le fassent pas dans le vide, parce qu'il n'y a rien de pire. Je crois qu'à l'Opéra de Paris, ils ont fait quelques mauvaises expériences où ils préparaient des spectacles, ils les montaient, on montait les décors, et puis finalement, on devait tout redémonter sans avoir rien pu présenter. Alors chez nous, pour donner un sens à ce travail au quotidien, on a chaque fois pu trouver une finalité. Des captations, par exemple. Plusieurs captations
pour du streaming sur Internet ou sur des chaînes d'ailleurs régionales ou nationales. Une retransmission en direct sur France Musique d'une création d'opéra par exemple. Donc chaque fois, ça voulait dire qu'in fine, on allait quand même toucher un public, pas par les canaux habituels, mais que quand même tout cela donnait du sens, parce que donner du sens à vos actions au quotidien, c'est très important. Et je crois que ça a permis aux équipes de l'Opéra National du Rhin de rester mobilisées, de ne pas flancher trop, même s'il y a eu des moments où le moral était un peu plus fragile. Mais c'est comme ça qu'on a pu traverser la crise. Maintenant, pour en revenir à essentiel, non essentiel, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que, évidemment, je vais vous dire, oui, nous sommes essentiels. En même temps, je sais qu'il y a des gens qui doutent que l'opéra soit essentiel, par exemple. Moi, je le crois très fortement. Je pense que tous les arts vivants, enfin que la culture en général, pour les raisons qu'a dites Barbara et que je partage complètement, je buvais ces paroles. En même temps, je pense que tout est relatif, parce que qu'est-ce que ça veut dire essentiel ? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel ? C'est de se nourrir et de pouvoir dormir. Ça, c'est essentiel. Et puis se vêtir dans nos sociétés. Donc voilà. Mais après, à partir de là, est-ce qu'un smartphone est essentiel ? Est-ce que l'accès aux réseaux sociaux, est-ce que le numérique est un droit ? Est-ce que c'est essentiel d'avoir accès au numérique ? Moi, ce sont ces questions-là que m'ont posé les décisions gouvernementales. Je ne les ai pas toutes partagées, je n'étais pas d'accord avec toutes, et je pense qu'elles sont discutables. Moi, je pense que justement, la culture et le spectacle vivant, pour les raisons qu'a détaillé Barbara, c'est absolument essentiel, parce que ça encore une fois, c'est le spectacle qui permet à des êtres humains de se retrouver dans un même lieu pour partager une émotion. Tu as parlé de partage, Barbara. C'est vraiment ça, autour d'un objet qui donne à penser et qui donne aussi à ressentir. Il y a les deux aspects. Déjà, rien que le fait que ça détourne les gens des réseaux sociaux, ça rend déjà le spectacle vivant essentiel, je trouve. Parce que je pense que le numérique, on l'a bien vu, d'ailleurs, nous-mêmes, on l'a utilisé, c'est pour le spectacle vivant, même s'il est antithétique du spectacle vivant. En fait, il est intéressant parce qu'il nous permet de toucher d'autres publics, de faire preuve de créativité, de nous inciter à explorer de nouvelles formes. C'est un outil. Mais justement, je trouve qu'en ce moment, il y a un déséquilibre très clair, très net, contre lequel moi j'essaie de lutter à mon niveau. C'est que le numérique a tendance à prendre le pouvoir. Il a déjà pris le pouvoir économique. Alors même qu'il vit grâce au contenu que nous produisons et qui ont une valeur, mais pour lesquels beaucoup de gens ne payent rien du tout. Donc ça, c'est un vrai problème auquel on voit que ça... On commence à trouver quelques réponses, c'est balbutiant au niveau international, mais enfin ça commence à arriver. Mais on a intérêt d'aller plus loin, parce que je ne sais pas si on pourra longtemps continuer comme ça. Et puis, je pense aussi que les lieux de culture, que l'objet artistique et culturel, il permet de partager de la pensée, donc de créer aussi de la pensée critique, de la distance, trouver la bonne distance par rapport aux choses. Et là encore, il est vraiment absolument nécessaire aujourd'hui, où on voit que au contraire, les médias numériques, la culture du clic, c'est la non-distance absolue, et on voit bien les dérives que cela provoque. Parce que peut-être pas passer pour un obsédé, mais je suis alarmé de voir ce qui se passe en France aujourd'hui et depuis quelques mois, et puis dans le monde, hein, on parlait depuis quelques années, mais qui est vraiment dû à l'influence délétère et même néfaste des réseaux sociaux, qui sont un vrai danger pour la démocratie. On le voit, on en a des preuves. Ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à ça. Je pense qu'il y a un moyen d'apprendre à les utiliser. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a un vrai déséquilibre qui m'inquiète. Et je pense que pour cela, nous avons tous un rôle à jouer qui ne va pas être facile. Je vais peut-être un peu loin. Mais je partage ces réflexions-là parce qu'il ne se passe pas un jour sans qu'on voit tous ces faits divers qui aujourd'hui occupent de manière totalement démesurée l'espace médiatique. Qui ont généralement à l'origine des discussions sur Internet, de la désinformation sur Internet ou sur les réseaux sociaux, etc. Donc je pense que pour contrebalancer tout cela, la culture est importante et le spectacle vivant est important. En même temps, l'ONR chez vous, qui est cet onglet qui est accessible sur votre site, tout d'un coup, on a accès à des opéras et à des spectacles qu'on n'aurait peut-être pas été voir ou qui n'aurait pas été accessible pour nous. Qu'est-ce Absolument. Qui va en advenir de l'ONR pour vous ? Mais l'ONR chez vous va perdurer parce qu'encore une fois, le numérique, chez vous, pardon. Je ne condamne pas le numérique, je l'utilise comme tout D'accord. le monde. Et le numérique doit être un outil. D'accord. Et pour nous, pour nos métiers, c'est vraiment un outil qui enrichit, qui est intéressant pour les artistes, comme un outil, mais comme un pinceau, comme le pinceau d'un peintre. Oui. Aujourd'hui, c'est une nouvelle technique
qu'on doit apprendre à utiliser, qu'on utilise déjà, qu'on utilise dans les opéras où il y a beaucoup de présence de la vidéo, souvent, pas systématiquement, mais donc c'est un outil parmi beaucoup d'autres qui peut générer un artisanat, et je pense que c'est très bien. Et l'ONR chez vous, effectivement, nous permet de toucher des gens qui sont parfois éloignés de nos salles ou éloignés de l'opéra parce qu'ils pensent que ça n'est pas pour eux. Vous avez dit « je ne suis pas un spécialiste ». Voilà une réplique typique que j'entends tout le temps. Mais on n'a pas besoin d'être spécialiste pour aimer l'opéra. C'est pour me mettre à l'abri, c'est tout. Mais vous ne risquez rien, vous savez, si vous venez dans nos salles, je vous garantis. Chacun apprécie ses peurs et ses appréhensions. Alors, ça c'est aussi un de mes autres combats, c'est que les gens n'aient pas peur. Au contraire, vous allez être bien à l'opéra. Vous Merci. Serez bien accueilli, vous serez à l'abri. Vous allez gagner un client. Et vous serez beaucoup plus en danger face à votre écran que dans notre théâtre. Mais, en fait. Ce que je retiens des deux premières interventions et qui est quand même intéressant, c'est que, d'accord, débat non essentiel, essentiel et tout, mais c'est que sur le retour à la vie et à la communauté, à la réappropriation de nos espaces et à la qualification de nos relations, la culture peut nous y aider et peut être un des leviers, un des éléments, un des passages les plus intéressants pour réapprendre à vivre ce que nous avons perdu du fait de... Alors, si vous permettez, Julia Dumais, je continue le tour de table jusqu'au bout. Je passe votre tour parce que j'aimerais que vous réagissiez, vous, à la fin, à ce qui s'était dit. Donc, prenez des notes. Vous allez devoir vous exprimer vis-à-vis des acteurs auxquels vous avez affaire tout au long de l'année. Essentiel, non essentiel, Paul Lang, les musées ont rouvert le 19 mai. La ville a décidé que l'entrée serait gratuite jusqu'à fin juin. Dans les 10 musées de la ville de Strasbourg, je ne me trompe pas sur le nom. 10 musées et 10 un monument historique qui est à côté d'ici, le 1928. Ok, donc 10 plus 1. 10 c'est plus 1, voilà. Tout à fait. Vous aussi, le numérique, je vais au musée, je dois réserver mon billet, même si j'ai un accès libre grâce à ma carte de presse. Donc le numérique s'est immiscé aussi dans votre fonctionnement. Oui. Pardon ? Scandale. Oui, scandale. Les journalistes de manière assez magistrale aussi. Mais si vous me le permettez, j'aimerais en un premier temps réagir par rapport à ce qui a été dit. Non, parmi... mais c'est... Oui, tout à fait. Par rapport à mes camarades, dit, si vous m'autorisez cette licence, je ne suis pas assez prêt. Et là maintenant, ça va ? Vous m'entendez ? Très bien, excusez-moi. Donc, ce que j'aimerais dire en réagissant à mes deux camarades, moi aussi je buvais du petit lait, c'est que je fais partie de celles et ceux qui ont été sidérés. Je sais que c'est une banalité de le dire, mais j'ai été sidéré en apprenant que la culture en général, les musées en particulier, étaient non essentiels. Ça veut donc dire dispensables. Et ça nous rappelle une chose dans notre civilisation, c'est que les musées n'ont pas toujours existé. Il convient de le rappeler. C'est une occurrence très récente, un pur fruit de l'âge des Lumières, de la générosité de l'âge des Lumières. Le premier musée qui ouvre en tant que Muséum central des arts, on connaît sa date très précisément, c'est le 10 août 1793. En tant que Muséum central des arts, vous le connaissez mieux aujourd'hui en tant que musée du Louvre. C'est une chose très récente. On collectionne, évidemment, le collectionnisme, c'est quelque chose qu'on connaît depuis toujours. Peut-être pas dans les grottes de Lascaux, mais dans l'Athènes de Périclès ou dans la Rome d'Auguste et bien évidemment dans la Florence des Médicis. Mais c'était des collections qui n'avaient pas cette fonction qu'elles ont depuis la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire cette fonction de partage, cette volonté à la fois de vouloir instruire et de vouloir plaire. Donc quelque chose qui est récent dans l'histoire de notre civilisation, 1793, on peut aussi s'imaginer donc, une civilisation qui a vécu jusqu'en 1793 sans musée, on peut l'imaginer aussi qu'elle peut vivre sans musée et que cela pourrait disparaître et remplacer par toutes sortes de choses, notamment par des collections, et c'est là où je rejoins Alain et Barbara, par des collections exclusivement numériques. Et il y a eu des initiatives de ce type, il y a eu des velléités de ce type dans certaines villes françaises que je ne préfère pas nommer, et Strasbourg est très éloigné de ça, très, et dans certains pays, notamment en Amérique du Nord. À propos, donc, c'est l'occasion pour moi, effectivement, de rappeler qu'un musée est par définition... pour
entrer en résonance avec ce qui vient d'être dit par Alain Perrault. Un musée, par excellence, un lieu qui rend intelligible une œuvre originale. Qui vient de relever une chose, c'est qu'un tableau, l'essentiel d'une peinture, l'essentiel d'une sculpture, l'essentiel d'une architecture, n'est pas photographiable, n'est pas numérisable, l'essentiel. Ça ne restera jamais qu'une évocation ou un outil ou un souvenir. Ça, je pense que c'est absolument essentiel. Notre mission, c'est de rendre intelligibles des œuvres originales. J'estime, je suis partie de ceux qui estiment que la visite d'une exposition, la visite d'un musée est quelque chose, la déambulation physique, donc le rapport physique et non pas dématérialisé, à quelque chose qui s'apparente à un parcours initiatique. Je pense, c'est ce que j'ai pensé l'autre jour quand j'ai vu l'exposition Flandrin au Musée des Beaux-Arts de Lyon. On y entre, on en sort plus sensible, on en sort plus cultivé, plus instruit et quelquefois et surtout plus intelligent. Je pense que quand on entre dans une salle, une chose que le web ne pourra jamais transcrire, n'en déplaise à certains, on ne se rend pas compte de l'échelle, on ne se rend pas compte du point, on ne peut pas varier le point de vue, ou alors c'est artificiel, on ne se rend pas compte de l'impact d'une œuvre à distance ou dans sa proximité, on ne se rend pas compte de la proximité du dialogue qu'il entretient avec les autres œuvres. Les musées, ce sont aussi des lieux de communion quelquefois tacite, comme à l'opéra, ou quelquefois de manière tacite, vous communiez avec une salle, avec un sentiment de lien social très fort. Tout cela, il y a une véritable déperdition. Donc effectivement, je fais partie de ceux qui sont inquiets, voire très inquiets, et qui, dans les différents groupes où j'ai eu l'occasion de prendre la parole, notamment dans le cadre d'ICOM France, ont tendance à tirer une forme de sonnette d'alarme, parce qu'effectivement, le Covid a servi en quelque sorte d'accélérateur. Mais est-ce que finalement... Toute dernière chose, d'accélérateur. Alors, il y a une chose, donc, j'ai insisté sur le côté non numérisable, il y a une chose encore plus essentielle, parce que les musées, au même titre que les opéras aujourd'hui, qui ne sont plus des opéras de cour, les musées sont par définition des lieux d'intégration. Et le numérique, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, c'est une conviction forte que j'ai, crée également une ségrégation entre les gens qui ont eu l'occasion et le privilège de connaître les œuvres et les musées, et qui savent interpréter les images, et ceux et celles qui ne le savent pas le faire. Donc c'est vraiment important, surtout quand on... Parce qu'un musée, c'est par définition une institution. J'ai insisté sur son origine en 1793, c'est tout d'abord une institution citoyenne et intégrative. Donc effectivement, je suis un peu inquiet. C'est vrai que quand on vous écoute, on pense par exemple à la lune installée dans la nef de la cathédrale. Toutes les photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux ne valent pas l'expérience de la découverte de la lune dans la nef et de tout ce qu'elle provoque et suscite. Et ce qui m'inquiète pour... Et là, on peut expérimenter ce que vous avez dit. Pour appuyer les propos d'Alain, ce qui m'inquiète, c'est que précisément, notamment sur les réseaux sociaux, on vous vend ça comme, en quelque sorte, l'original, sans avoir une fonction incitative. Alors que précisément, la reproduction devrait vous inciter à venir in situ pour aller, par exemple, voir la cathédrale. J'avais un professeur d'histoire de l'art extraordinaire qui, à dessein, ne présentait comme diapositive que des diapositives floues et en noir et blanc pour nous inciter d'aller voir les œuvres. Et c'est très bien ainsi. Bon, eh ben, alors à côté de vous, Georges Eck, on a parlé d'image, l'image des œuvres, mais il y a... je vous ai vu opiner du chef. Oui, bah oui, parce que en parlant de cinéma, je peux parler du cinéma, hein, donc. Oui, oui, non, mais c'est une transition voilà. De journaliste. Voilà, non, voilà, tout voilà. Simplement. Voilà. Oui, non, bien sûr, voilà, parce que je ne vais pas m'aventurer. Oui, je suis non, très non, proche. Non, 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 je ne veux pas, créer. Bien sûr. Allez-y. Bien le sûr, cinéma bien et sûr. Les images. Bien sûr, la prochaine exposition des musées sur la Marseillaise. Voilà, j'apporterai un peu la partie cinéma. Effectivement. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que
voilà, je prendrai le titre d'un livre récent d'Antoine Debecq qui s'intitule Le cinéma est mort, virgule, vive le cinéma. Voilà. Bon. Il détourne évidemment quelque chose qui est très connu, mais ceci étant, c'est vrai qu'on sait que tout ce qui est le champ culturel est constitué de choses extrêmement fragiles, parfois éphémères, etc. Donc c'est forcément. Mais en même temps, tout l'ensemble des gens qui travaillent dans ce monde du cinéma ont des nombres 340 000 personnes qui vivent du cinéma en France. Hein, c'est énorme. Et ont tous été à la fois blessés, à la fois très très touchés, mais surtout beaucoup d'entre eux en colère, en ayant le sentiment qu'ils avaient été en quelque sorte sacrifiés sur l'autel de quelque chose qui était on ne peut pas laisser tout ouvert, donc il faut fermer une partie. Et qu'est-ce qu'on va fermer? On va fermer ce champ-là, ce secteur-là. Et, alors qu'en fait, il n'y avait aucun argument, enfin, je pense que personne n'a pu avancer d'argument objectif pour dire qu'effectivement, c'était en effet là que le virus pouvait circuler amplement, enfin, pouvait effectivement, bref. Voilà, donc on était bien assez d'accord pour que, effectivement, avoir le sentiment d'avoir été quelque part ceux qui ont été sacrifiés sur l'autel de la bien-pensance, de la lutte contre le virus, etc., etc. Non, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, par rapport au cinéma, bien sûr, est-il essentiel? On a envie de dire, rien n'est essentiel après tout, oui, ou tout l'est, enfin bref, c'est un peu sans fin. Quand Louis Lumière a inventé le cinéma, il s'est tout de suite posé la question, il a dit, mais est-ce que cette invention a un avenir? Il en doutait beaucoup. Voilà. Et au fur et à mesure que, quand on reparcourt comme ça l'histoire du cinéma, à tout bout de champ, cette question s'est posée pour lui. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas en train de partir, etc. Est-ce qu'il n'est pas en train de... Quand on est passé du muet au parlant, beaucoup de gens ont dit, oh là là, c'est la fin. C'est la fin du cinéma, ça ne sera plus tout cela, etc. Voilà. Rien que dans l'évolution des technologies, la question s'est posée quand on est passé au numérique, etc. Enfin, voilà, tout à coup, le cinéma s'est délité, s'est disséminé en plein de formes d'images, d'écrans, etc. Au point qu'on s'est demandé s'il n'allait pas se diluer. Et puis ça, c'est au niveau des techniques, mais aussi au niveau même de son histoire ou de son rapport à la grande histoire aussi. Quand on voit un peu comment le cinéma a été instrumentalisé pour en faire un outil de propagande, à différents niveaux, le pire étant bien sûr l'époque nazie, évidemment. Mais aussi combien le cinéma a été très précieux quand il s'est agi de montrer les images des camps, comme élément vraiment de preuve factuelle, tout à fait imparable. Je pense au procès de Nuremberg, etc. Enfin bref, il y a eu sans arrêt comme ça ces questions, ces interrogations. Et aujourd'hui, c'est tout le débat sur les fake news, effectivement, et tout ce qui tourne autour, mais aussi des débats sur les images de Daesh, des meurtres qui sont commis précisément mis en scène devant une caméra. Enfin, voilà. Alors, sur le cinéma et sur ce qui s'est passé depuis un an, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque que la logique économique l'emporte sur la création et que on cherche les... Il y a un encombrement de films, il y a un nombre de salles limitées, il y a une jauge qui est ce qu'elle est jusqu'au 30 juin. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la création cinématographique, ou en tout cas ce que vous aimez dans le cinéma, vous, ne soit étouffée par une logique d'urgence économique et de rentabilité et de valorisation Alors, oui, c'est vrai que Malraux, en son temps, a dit le cinéma est un art, point de suspension, mais aussi une industrie. Certains ont rectifié en disant oui, c'est peut-être d'abord une industrie, quelque part, parce que, effectivement, les enjeux économiques sont énormes. Quand on fait état, en ce moment, chaque année, de 300 millions de spectateurs, on voit derrière toute l'économie qui est générée aussi par cela. Avec un système qu'on a en France qui est un système extrêmement vertueux que beaucoup d'autres pays soit ont imité ou soit nous envient, qui vraiment permet effectivement d'alimenter la création, mais en effet c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est un, alors là pour parler d'industrie, c'est un véritable accident industriel,
c'est-à-dire une chute de 70% des fréquentations qui a mis à mal, bien sûr, toute la filière. Bien sûr, des producteurs ont quand même continué à se battre pour que des films existent, des auteurs avaient des projets et tout a été fait pour qu'ils puissent quand même surmonter les obstacles pour pouvoir les mener à bien. Mais après, dans cette chaîne du cinéma où des distributeurs qui prennent le relais se sont trouvés avec des étagères sur lesquelles les films s'empilaient en se demandant comment on pourra après pouvoir les rendre visibles. Et maintenant les exploitants à leur tour qui sont, j'aime pas le mot exploitant parce que c'est un vilain mot, je dirais plutôt les passeurs que sont effectivement les directeurs de salles, comment font-ils pour effectivement donner à voir tous ces films? On sait très bien que, en effet, vous regardez là à Strasbourg, enfin je veux dire c'est pas difficile, qu'ils essaient d'en sortir le plus possible chaque semaine en ce moment, mais forcément pas tous aux bonnes heures, pas tous, etc. Certains une seule séance par jour, et qu'en fonction effectivement des possibilités qu'il y a d'une audience que l'on attend, certains films sont forcément sacrifiés, sont forcément pas à l'as, et pas forcément les films les plus intéressants ou les films les plus riches en termes artistiques. Enfin, voilà. On est dans cette démarche d'arrêt-essai. Avec Strasbourg, nous sommes une ville très très bien équipée de ce point de vue-là. Mais en même temps, voilà, on peut pas malheureusement tout sauver. Et donc là, il y a vraiment des films sacrifiés. Je ne parle même pas des documentaires qui, effectivement, depuis ces dernières années, il y avait chaque semaine sur une quinzaine de films qui sortaient hebdomadairement, il y avait toujours 3, 4, 5 films documentaires. Maintenant, il n'y en a plus, ou alors peut-être un ou deux à tout casser. Quoi. Donc on sent bien que là, on est face à une véritable problématique et dont il va falloir prendre du temps pour s'en remettre. Mais il y a tout un enjeu qui, effectivement, méritera d'être éventuellement évoqué. Si tu veux. À côté de vous, Anna Kondietzky, qui nous vient de Munich. Est-ce que, alors peut-être que ma mémoire me joue des tours, est-ce qu'en Allemagne, un communicant dans le cercle du pouvoir pour traduire pour le grand public les enjeux sanitaires a posé sur la table les deux mots essentiels, non essentiels? Est-ce que c'était une manière d'appréhender les choses qui a été faite chez vous, ou c'est qu'en France qu'on a eu ces deux mots qui nous ont été tendus avec peut-être beaucoup de maladresse et une espèce de miroir qui a renvoyé chacun à son rôle tel qu'il était interprété en haut lieu? Enfin, sûr, il y avait aussi les mêmes questions de qu'est-ce qui est essentiel. Après, mais ces deux mots étaient utilisés? Aide-moi, oui, oui, voilà. Oui. J'essaye de... En allemand, on disait... Quels sont les mots? System relevant? Non. System relevant. Système? System relevant. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pire, peut-être. Ah bah, pardon? Parce que ça part d'un régime, un système de maintenir. Non, mais système relevant, ça ne se traduit pas par essentiel ou non essentiel. Peut-être. Oui, mais la discussion était un peu ça, comme ça. Est-ce qu'on a besoin de la culture pour que notre société... Est-ce qu'elle nous permettra de nous en sortir? À ses bases, un fondement du ciment, d'une certaine façon. Donc ils étaient un pas plus loin, ils ont dit de quoi on n'aura plus besoin demain et qu'est-ce qu'on peut sacrifier, c'est ça? C'est pire. À mon avis, c'est pire qu'essentiel. C'était ma sensation aussi. Alors, dites-moi... J'aurais envie de rajouter, parce que le collègue a parlé de nourriture ou de se nourrir et de dormir comme essentiel. Je crois que ça ne s'arrête pas là. Je crois, par exemple, c'est essentiel vraiment d'être touché. Et au sens concret du corps, on a besoin d'être touché. On a besoin d'être touché pour se sentir, pour être habité ses corps. Et aussi au sens figuratif. Donc, je crois qu'il y aura une autre liste encore. En tout cas, être touché, j'aurais envie de dire, ça fait grande partie. Et être, donc, ça nous amène direct au corps, évidemment. Donc, et c'est sûr, je peux aussi joindre certaines choses qui ont été dites sur la différence du moment live, disons, et le moment numérique. Moi, j'avais toujours la sensation que j'avais des fois envie d'utiliser... Magritte, la logique de ceci n'est pas une pomme, et de marquer sur chaque vidéo de danse, par exemple, regarde, ceci n'est pas un corps, c'est une représentation d'un corps, c'est pas un corps. Et je crois que c'est vraiment important, parce que c'est ça qui, moi, m'amène direct à cette
nécessité de que la danse, c'est quelque chose en 3D. Et déjà, dans le sens de sans espace et sans temps, il n'y a pas de mouvement. Enfin, vraiment dans le sens physique, vraiment scientifique, juste. Donc, il y a le mouvement a besoin de la ligne d'espace et de la ligne du temps. Donc, quand c'est réduit à 2D, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est compliqué, c'est autre chose. Mais aussi, le corps n'est pas juste une forme. Enfin, déjà, et que je crois ça, c'est, ça, sans doute, c'est pareil pour la musique. Ça va dans les deux sens. Que, si je prends maintenant, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour un public, c'est pas juste que je vois des corps qui bouge ou que j'entends quelqu'un peut-être qui chante. Déjà, on n'entend pas juste avec les oreilles, mais un son qui traverse un espace arrive à notre corps, ça vibre différent que si ça arrive à travers l'ordinateur, surtout que très souvent, je crois, on ne fait pas l'effort de mettre un bon baffle ou un bon casque, mais on le met. Donc. Et ça, c'est pareil pour le corps. Si je vois, disons, un corps, je crois, j'ai toujours l'impression que le mot percevoir, c'est mieux que voir, parce que ce n'est pas que je vois juste un corps. Je le sens, c'est tout un entraînement d'empathie, en fait, aussi, de vivre à travers le corps de l'autre quelque chose. Donc. Et je crois, dans le moment d'un spectacle, c'est même doublé. Ce n'est pas juste que, potentiellement, je vis quelque chose à travers peut-être des corps, disons, de danseurs, danseuses, mais j'ai la présence d'autres corps dans le public. Je crois que c'est extrêmement important parce que peut-être pour plusieurs, mais moi j'aurais envie de nommer deux choses. Un, c'est la réaction des autres, comment les autres ils lisent ce moment, comment ils vivent ce moment. Ça me raconte quelque chose sur moi, ça crée une hétérogénéité. C'est pas juste moi et mon opinion et ma perception, mais je suis et que je reçois aussi. Très concrètement, je reçois si mon voisin il est en train de bouger, si je, enfin, tout va influencer comment je lis ce moment ou comment je vis ce moment. Et donc, je crois ça aussi pour, si on dit l'art, c'est une possibilité de changer aussi de perspective ou proposer d'autres perspectives, je crois, peu importe qu'est-ce que c'est comme art et si c'est ce que c'est, ça se passe aussi dans le moment de la lecture ensemble ou de... Et je crois, après, c'est aussi la deuxième chose juste sur ça, que c'est quelque chose, je crois, de très, pas juste, moi je le trouve très beau et très touchant, je veux dire, mais aussi très important, cette concentration et cette attention qu'on accorde ensemble dans un espace, c'est magique. Et c'est, je crois, par exemple, l'ambassadeur, nous on parle toujours, c'est un silence qui se crée juste avant un spectacle qui est... magique, c'est pas un silence que si on dit maintenant allez on se tait là tous une seconde, mais c'est chargé avec lâcher la journée, l'attention, toutes les projections de futur, donc c'est un silence très 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 rempli, et cette attention qu'on donne et cette concentration, c'est très on l'a pas dans beaucoup d'autres moments, donc je crois que c'est quelque chose d'important, c'est une expérience physique. Ce qui me vient à l'idée quand on vous écoute, c'est que à la fin d'un spectacle, les applaudissements ne sont pas un instant à la fin d'un spectacle. C'est la résultante de tout ce qui s'est passé avant et qui passe par tous les sens. Presque les vibrations, quand quelqu'un piétine une scène et que ça passe dans la salle, la vue, l'ouïe, un espace un peu confiné, une ambiance, une chaleur. Enfin, et on a l'impression qu'en tant que chorégraphe et danseuse, c'est tout ça. C'est, quand vous avez parlé tout à l'heure du voyage, vous disiez aussi que le corps voyage, c'est-à-dire qu'il y a un engagement du corps et de sa pesanteur et de ses limites, et que pour une danseuse, ça doit être terrible de se retrouver projeté sur un écran et sur deux dimensions sans que tout cela passe, quoi. Je crois aussi, peut-être aussi deux petites choses. Un, je crois c'est aussi qu'on est normalement dans le spectacle, on dévoile ou on crée le moment au moment où il est perçu. Donc ça, c'est très différent de danser devant, par exemple, une caméra, et plus tard, quelqu'un va voir ça et toucher ou pas, ou aimer ou pas. Ce moment de vivre ça ensemble, c'est très différent. Et je crois aussi, je voulais juste rajouter aussi, parce que monsieur a parlé de l'entraînement pour les danseurs. Moi, je crois aussi, peut-être surtout pour des danseurs qui ne sont pas dans des compagnies fixes, la pratique de la performance, c'est aussi une pratique. Il faut pratiquer. C'est chouette si tu fais dans ta chambre ou dans le studio.
Mais d'aller devant un public, c'est aussi une pratique. Donc, de ne plus faire ça, c'est critique, enfin, c'est difficile. Et je crois pour plusieurs raisons, mais je crois aussi de danser devant, par exemple, devant un public ou devant ou autour, enfin, pour ne pas parler juste des situations frontales. C'est pas un espace mort, mais on sent cette amplification, on sent la résonance, on sent, enfin, pareil, enfin, on sent aussi, c'est un dialogue, mine de rien. Donc c'est quelque chose qui se pratique aussi. Thierry Danet, la laiterie, ça doit vous parler, tout ce qui s'est dit sur la nécessité de vivre le spectacle et cette relation, et vous, vous avez rouvert la laiterie, mais enfin, c'est assis, c'est des jauges, c'est des contraintes. Et vous aussi, un peu comme Alain Perrou, vous n'avez pas baissé les bras, je veux dire, à la première opportunité, à la première occasion, vous faites revivre ce lieu, la musique, et dites-nous. Alors, j'ai envie d'essayer de vous dire plusieurs choses. La première chose qui nous concerne peut-être un peu tous, bien sûr, là, on parle de culture, il faut parler d'art aussi. Et se dire que, faire attention à une chose, c'est que le temps de la création artistique, c'est pas la spontanéité. Donc, il faut qu'on soit attentif à une chose, c'est que les artistes, nous, on a utilisé comme ça, et on en a fait même un projet qu'on a appelé Mémoire Tampon, qui est que ce qui est en train de se jouer ou ce qui vient de se jouer, le temps de la création est nécessaire pour en avoir un retour dans la société. Et là, ça sera notre job à nous, structure culturelle, de donner scène, de donner espace à ces gestes artistiques, puisque notre extrême privilège, c'est d'être en permanence confronté à des questionnements artistiques. Donc je trouve que c'est quelque chose d'important parce que, de façon à ce qu'on ne monopolise pas tout à fait la parole là-dessus et qu'on se dise qu'une fois qu'on a en quelques jours, semaines, heures, qu'on aura fait le tour de la question, on passera à autre chose. Il faudra qu'on soit attentif à entendre ce que cette création artistique aura à dire de ce qui s'est passé et de ce qui ne s'est pas passé. Ça, c'est une première chose, voilà. La deuxième chose qui m'interroge aussi, alors j'en parle deux minutes parce que ça va agir à plusieurs endroits, mais donc vous avez parlé de musique actuelle me concernant. C'est assez drôle parce que le jour où la laiterie est devenue un lieu de musique actuelle, c'est le jour où il a été reconnu que ces musiques faisaient partie de la culture. Parce que vous savez comment ça marche en France. Ça marche, on devient culture quand il y a une labellisation du ministère. Donc on a été musique d'aujourd'hui, musique nouvelle, musique amplifiée, et désormais nous sommes musique actuelle. Donc ça fait moins de 20 ans. Donc tu vois Paul, c'est encore plus c'est encore plus récent. Et moi ce terme il me pose problème parce que je vois pas en quoi les musiques qui se jouent à la laiterie sont moins actuelles que celles qui se jouent à l'opéra. Et donc voilà, je voulais pointer ce sujet-là parce que finalement, il y a une dimension là-dedans qui est un peu perverse quand même, c'est cette question de l'actualité. Qu'est-ce qui serait d'actualité et pas d'actualité ? Et derrière ça, ce que je veux dire, c'est que je vais essayer de dire à quel point peut-être, je ne sais pas si on est vraiment passé sur la question, si on s'est vraiment posé la question de l'essentiel, mais en tout cas, j'aimerais pas qu'il y ait, sous couvert d'actualité ou de pas actualité, qui est un espèce de classement qui se fasse de ce qui serait plus ou moins essentiel à un instant T et qui permettrait de prendre des décisions à cet endroit-là. J'ai une petite expression, c'est que moi, il y a quelque chose qui est capital en tant que Strasbourgeois, si je prends Strasbourg, c'est le brouhaha culturel, c'est le brouhaha artistique dans cette ville, et que ce brouhaha-là, il n'est pas forcément peut-être fait uniquement de choses essentielles au regard de l'un ou de l'autre, mais peut-être qui deviennent essentielles au regard d'un autre. Donc je pense que c'est un élément vraiment important. Et pour reprendre ce qui concerne ces musiques dites actuelles, je vais faire un cadeau royal à Serge Hartmann, puisque j'ai l'habitude, c'est un petit gimmick comme ça, à chaque fois que j'interviens quelque part, je parle des Beatles, mais là je vais parler des Stones. Keith Richards a dit « La guitare électrique, c'est une demi-guitare ». Et c'est extraordinaire parce que on va parler tout à l'heure effectivement, la question du numérique a été abordée et j'aimerais en parler parce que
on parle musique, mais effectivement, il y a un sujet vraiment central pour toute notre action qui est cette relation entre l'art et le numérique. Et que je trouve qu'en disant cela, Keith Richards, bon, qui forcément est une des figures de cette guitare électrique, il dit quelque chose de très juste, parce qu'il dit physiquement quelque chose qui est vrai. Qu'est-ce que c'est que cette guitare qui a besoin d'un artifice électrique pour sonner? Et en même temps, c'est Keith Richards. Est-ce que produit la guitare électrique, quand elle est dans les mains d'un artiste, la magie qu'elle propose, eh bien, à ce moment-là, elle se situe à un autre endroit que de savoir si elle a besoin de la technologie ou pas. Donc je trouve que c'est une chose importante aussi à avoir dans le champ de vision, c'est-à-dire que finalement les critères de ce qui serait essentiel ou pas essentiel, ils sont questionnables, et heureusement qu'ils sont questionnables et heureusement qu'ils sont discutables. Et après tout, si nous avons été discutés à ce sujet-là, parlons-nous du débat, et chacun pour ce que nous sommes, et encore une fois, en se disant qu'il est très important que les artistes, à un moment ou à un autre, puissent parler là-dessus. Et au-delà peut-être de ce petit gimmick et aussi de cette petite polémique, c'est-à-dire qu'en fait, la problématique sur cette question d'essentiel et pas essentiel, c'est qu'une fois de plus, c'est devenu un sujet polémique, alors qu'on peut espérer que ça devienne un débat et qu'il y ait donc conversation là-dessus. Pour revenir à la laiterie, en fait, nous, plus que ça, ce qu'on a interrogé dès le début, c'est notre raison d'être. Qu'est-ce que c'est notre raison d'être? C'est de provoquer des instants dans un lieu dans lequel les gens se réunissent, des fois font des centaines de kilomètres, pour venir se retrouver ensemble et vivre une émotion commune, activée par un geste artistique. Et après, dans certaines conditions, qui ne sont pas par exemple les mêmes que celles de l'opéra, c'est-à-dire qu'en plus, à la laiterie, pour prendre ce lieu-là, il y a une liberté de mouvement, il y a tout un tas de codes qui se renouvellent en permanence en fonction du public. C'est un lieu, j'ai l'habitude de dire ça, c'est la maison. C'est la maison pour tout un tas de gens dans cette ville. Et donc, on s'est posé cette question-là. Et dans la manière de traverser cette période, on a eu une petite formule qui nous a bien servi. C'est quoi qu'il arrive, on s'est dit quoi qu'il arrive, dès qu'on peut rejouer, on rejoue. Pourquoi? Parce que c'est un signe très, très net du fait que, si vous voulez, ce qui se passe en ce moment, où ce soir on est en train de pouvoir accueillir à peu près 200 personnes assises dans cette salle, on peut se dire que c'est antinomique avec ce qu'est la laiterie. Mais quoi qu'il arrive, on fait acte de présence, on rallume la maison et on fait un geste auprès de tous les gens qui en permanence... et notamment par les réseaux sociaux, ont été en dialogue avec nous pendant toute cette période. Il y a quelque chose qui a été, donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, notre logique, ça a été de nous dire, il faut qu'on soit en capacité, à tout instant où on peut rejouer, de rejouer. Donc effectivement, on a procédé par un système de reprogrammation permanente. Deux choses là-dessus, c'est-à-dire que cette reprogrammation, ça permettait de faire une proposition dès que possible. Donc voilà, au mois de juin, il y a 15 concerts. Pour vous donner un chiffre, je crois qu'on en est arrivé à 190 concerts reprogrammés pendant toute cette année. Il y a un élément important aussi, c'est que, alors, c'est un vrai sujet qui est différent pour chacun d'entre nous, parce que chacune de nos maisons, de nos spécificités, a des modes de production différents, mais c'est la question de l'économie. Quand on reporte un concert, on reporte l'économie de ce concert. Donc c'est aussi une assurance pour toute la chaîne que cette économie, elle ne s'annule pas. Et donc, il y a une espèce de solidarité mécanique, et ce qui est assez passionnant quand même, c'est que notre échelle, c'est l'échelle européenne. Les artistes qui passent par la laiterie, en grande partie, sont des artistes qui tournent au niveau européen. Et on s'est aperçu que malgré des situations très différentes et des cultures de production de concerts, si on prend notre domaine, très différentes dans les pays, on arrivait quand même à remonter des tournées et faire en sorte que cette situation puisse permettre de traverser cette période. Il y a une chose très, très intéressante que j'ai lue, c'est que vous travailliez sur des programmations multipliées géographiquement pour permettre à des artistes qui devaient venir dans des salles où ils rencontraient le sixième du public qu'ils rencontraient habituellement, d'en rencontrer en additionnant les dates et les... Oui, et il y a eu des tas d'inventions avec des paramètres qui étaient totalement inconnus.
Est-ce qu'il allait être possible de passer ou de ne pas passer la frontière? Par exemple, ça a été un vrai sujet. Mais par exemple, il y a eu quelque chose qui était très intéressant, c'est que nos camarades en Allemagne, dès mars 2020, avaient eu un message très clair, ça ne réouvrira pas avant mars 2021. Et donc nous, en France, on a vécu cette période par glissements successifs, et la laiterie a été visible pour avoir fait ce concert qui est une espèce d'aberration, d'accident total. C'est-à-dire que je me demande encore comment on a pu le faire, ce concert qu'on a fait en juin 2020. En Allemagne, la situation était claire, le gouvernement, les autorités, les Landes, tout le monde avait averti les acteurs que ça ne rejouerait pas pendant un an. Et donc les acteurs se sont retrouvés à se positionner dans un tout autre rapport au temps. Et ça a été intéressant de voir que, et si on prend les Anglais, qui sont dans une situation encore très différente, finalement, quand même, on a réussi à trouver des principes de solidarité mécanique qui ont fait qu'on est dans une situation où il y a de la casse, il y a des pays, il faut le dire, où les artistes ne sont pas tous dans la même situation. En France, l'intermittence du spectacle dans notre domaine est un L'année élément... L'année blanche prolongée de 4 mois, oui, mais, c'est et, bien. Et c'est même avant l'année blanche, le fait qu'il y ait cette intermittence du spectacle, en Angleterre, c'est simple, si on ne joue pas, on ne gagne rien, on ne gagne pas d'argent. On parle, à un moment, les pronostics, c'était 30% des artistes professionnels en Angleterre perdaient leur métier. Et le gouvernement leur a dit très clairement, les gars, il faut changer de métier, les gars et les filles d'ailleurs. Il faut changer de métier parce que ça va durer et qu'on ne saura pas vous accorder des aides. Et c'est vraiment intéressant de voir que les aides telles qu'elles ont été gérées en France n'ont pas été gérées de la même manière qu'en Allemagne, qui a beaucoup aidé en même temps le milieu de la culture, mais avec une autre mécanique. Donc voilà, je trouve qu'il y a une expérience de ça qui peut être intéressante aussi pour montrer que dans cette situation-là, on a quand même réussi à avoir cette espèce de solidarité mécanique. Après, je voulais parler deux secondes de la question du numérique. Oui, mais parce que... Oui, allez-y. Je vais vous dire ce qui a failli être virtuel. Oui. C'est de reprogrammer. Parce que programmer, c'est un acte de programmation. Et puis, vous savez, au bout d'un moment, quand vous reprogrammez, pour tout le monde, ça devient virtuel. C'est l'idée du concert. Parce qu'en même temps, c'est incroyable. Et chaque fois qu'on reprogrammait un concert, les gens nous suivaient en billetterie, rachetaient des billets, etc. Mais finalement, pourquoi est-ce que le concert aurait lieu? On pourrait se dire que l'idée du concert pourrait suffire. Donc, ce que je veux dire, c'est une sorte de cavalerie sans fin. Tout ça pour... On reporte. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est presque du Kafka, quoi. Et finalement, personnellement, je suis pas si inquiet que ça. Peut-être que je dénote un peu, mais je suis pas si inquiet que ça sur la question d'une virtualisation du spectacle, notamment, et presque encore. Parce que, mais peut-être que c'est aussi la manière dont on recense cette vibration-là dans un lieu comme la laiterie. Moi, j'ai l'impression que, honnêtement, il y a eu un moment dans la sphère industrielle, un gros espoir de se dire « Ah là, il y a un nouveau marché qui s'ouvre hein. ». Et en fait, pour l'instant, on a eu 2-3 concerts qui ont fait des très gros scores, mais qui sont des concerts d'artistes qui font des très gros scores, et tout le reste, ça n'a pas tant fonctionné que ça à cause de cette question-là que je posais en premier, qui est la question de la raison d'être. Donc je ne suis pas si inquiet que ça. D'accord. Et si je reviens sur la lune, sur la cathédrale, bien sûr, il y a des photos, il y a des millions de photos, mais pourquoi est-ce qu'on a, avec l'ososphère, pourquoi est-ce qu'on a proposé à la lune de venir habiter la cathédrale? Pour inviter les Strasbourgeois aussi à venir passer un instant de lune dans leur maison qui est la cathédrale. Ben et oui. Quand je vois les queues incroyables, ça veut dire que les gens ne se contentent pas des photos. Mais bien sûr. Donc il faut se faire un peu confiance là-dessus, tout en étant, et je rejoins mes camarades, extrêmement vigilant sur le fait que soient pointés les produits de substitution, mais les artistes le font naturellement, quoi. Julien Dumay, vous êtes adjointe au maire de Strasbourg, à la maire de Strasbourg, pardon. Je crois que Jeanne Barzéguian a été parmi les tout premiers grands maires des grandes villes à dire pendant la crise sanitaire, il faut rouvrir, il faut créer les conditions d'une réouverture des musées, d'autres lieux. Et je crois qu'elle a été assez en pointe là-dessus. De tout ce qui s'est dit là, qu'est-ce que vous en retirez et,
et quel est le regard que vous portez en tant que politique sur la suite à inventer? Alors, sur déjà, l'essentiel, non essentiel. Oui, alors déjà, en introduction, effectivement, comme vous le voyez, je ne suis pas adjointe à la culture. Hein, je remplace ce soir ma collègue Anne Missler. Je ne suis donc pas, comme vous le disiez pour vous-même, spécialiste. Pour autant, je trouve ça très intéressant. En fait, vous avez tous et toutes presque parlé aussi de l'Europe. Et on est aujourd'hui, et je m'en réjouis, à un événement européen et interculturel. Et je pense qu'à Strasbourg, quand on parle de culture, on parle forcément du transfrontalier, de l'Europe et de l'international. D'ailleurs, de ce point de vue-là, déjà, la culture est essentielle et la circulation des artistes est essentielle, puisque voilà, nous sommes capitale européenne, mais nous avons la chance surtout d'accueillir à Strasbourg des institutions, des artistes formidables qui, alors j'aime pas trop ces mots, mais ça fait partie du langage politique, qui aussi contribuent au rayonnement de la ville et aussi d'une certaine attractivité. On a parlé lors de la table ronde précédente du tourisme. Voilà, on sait aussi qu'il y a une économie autour de la culture et qui est effectivement très importante aussi pour une ville. Mais au-delà de ces aspects assez matériels, la culture, pour revenir sur ce éthique essentiel, non essentiel, pour une ville, elle est effectivement essentielle parce que c'est un des lieux du vivre ensemble. C'est dans ces différents musées, lors de spectacles, lors d'une séance de cinéma, qu'on se rencontre et qu'on partage cette expérience. Je pense qu'effectivement, vous avez parlé de la position de la maire, elle n'a pas été la seule. Il y a eu beaucoup de collectivités territoriales qui ont essayé de contrebalancer la position nationale et qui ont essayé de défendre les acteurs culturels sur leur territoire. Ils n'ont pas toujours été entendus, malheureusement. C'est d'autant plus regrettable que je pense que tous et toutes peuvent en témoigner que les normes sanitaires étaient vraiment respectées et qu'il y a eu une étude d'ailleurs en Allemagne qui a montré que le lieu où on avait le moins de chances à s'infecter avec le virus, c'était dans les lieux de culture, puisque tout était prévu en termes de jauge, en termes de circulation, pour que le public et les artistes soient en sécurité de ce point de vue-là. Et alors, quand on écoutait aussi les intervenants, les uns et les autres, nos invités, et il ressortait clairement que, certes, on a eu ce débat sur essentiel, non essentiel pendant le confinement, maintenant on revient à la vie et on se rend compte que la culture est cette manière de revenir au monde et aux relations et à la compréhension du monde, parce que vous avez dit qu'il faudra un temps pour les artistes et les auteurs pour qu'ils puissent comprendre, analyser, mettre de la fiction ou des œuvres sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous êtes convaincu que la ville doit, dans les mois à venir, considérer que l'action culturelle est ce premier pas ou ce pas essentiel à faire pour que la communauté puisse se reconstruire, partager, comprendre, avancer, rencontrer? Oui, tout à fait. Et on le voit là avec l'événement de l'industrie magnifique, qui d'ailleurs, je le disais tout à l'heure sur le ton de boutade, qui est Covid compatible, puisque c'est à l'air libre. Tout à fait. Moi, je pense que d'ailleurs, pour revenir à essentiel, non essentiel, ce qu'il faut aussi dire, c'est que il faut, contrairement à la tentative qu'il y a partout, parfois été faite de hiérarchiser, donc pas seulement entre essentiel et non essentiel, mais aussi dans les différentes formes artistiques, c'est vraiment que
toute la diversité des formes artistiques est essentielle pour une ville, et aussi la diversité des acteurs. C'est-à-dire que là, autour de la table, on a en partie des institutions qui sont vraiment repérées dans la ville, qui ont un historique et voilà, qui, bien sûr, ont un rôle d'autant plus important à jouer. Mais on l'évoquait déjà avec la situation des intermittents ou voilà, de plus petits acteurs, bien sûr petits en termes de taille et pas en termes d'impact. Ça, c'est essentiel aussi pour la ville de penser en écosystème et en fait de bien voilà, saisir ce rôle de soutenir tous et toutes. Et bien sûr, je pense que la culture, par rapport à votre question, c'est d'autant plus important par rapport à cette sidération, par rapport à ce vide que nous avons vécu, que nous puissions retrouver le plaisir de partager un moment comme d'ailleurs déjà ce soir. C'est-à-dire que ce soir, oui, on est en format hybride, on a des jauges encore limitées, on a aussi une certaine, il faut le dire, hein, une certaine concurrence actuellement, parce qu'il y a un effet rattrapage, beaucoup de choses, mais il faut s'en réjouir. Et je pense vraiment que la programmation d'été, hein, aussi sera vraiment très très riche aussi au niveau de ce que la ville va organiser et va soutenir. Et bien sûr, sur le point culturel, la plupart des formats seront liés à des formes artistiques et à des contenus culturels. Donc je pense qu'effectivement la ville doit continuer à encourager, peut-être encore plus tout à fait dans cette période post-crise. Est-ce qu'il y a vous nous avez manqué des artistes et des gens qui construisent la vie culturelle. Il y a le vous nous avez manqué des spectateurs, puisque le maillon plus, il y a certainement un certain nombre de personnes. Et puis entre les deux, il y a la collectivité qui peut permettre que ces deux envies se rencontrent et s'élargissent avec de nouveaux publics. C'est peut-être ça aussi, se saisir de ce manque pour essayer d'en faire une envie qui s'élargisse, quoi. C'est un peu ça le rôle du politique. Ben, tout à fait, on a évoqué la gratuité des musées. Il y avait aussi quand même des formes qui ont été expérimentées, ça a déjà été largement dit, hein, autour aussi du numérique. C'est-à-dire que la ville a, par exemple, encouragé aussi des captations. Alors, bien sûr, ça ne peut pas remplacer, mais ça a montré qu'on a espéré, en tout cas à travers ces captations aussi, peut-être capter des nouveaux publics. Alors, c'est complexe, mais bien sûr, la ville a ce rôle de jouer, d'être aussi un passeur. Dans la période qui vient, il y a toujours une prise de risque aussi. On sait que la crise sanitaire n'est pas une invention, je veux dire, c'est une réalité. Pour le politique, il y a une prise de risque aussi. Si vous vous engagez à faciliter, si la préfète l'autorise, un certain nombre de choses, il y a une forme de prise de risque quand même, parce que la bête rôde un peu quand même encore. Vous êtes prêt, vous, à dire, mais il faut maintenant rendre possible les choses, les conditions sont réunies, la maîtrise de la crise, la vaccination, allons-y et ne continuons pas à étouffer ce monde et cet univers. Oui, tout à fait. C'est en continuité avec ce qui a été fait aussi pendant la crise, parce que pour un peu évoquer l'aspect économique, mais qui est essentiel pour la survie de la culture pendant, mais aussi dans l'après que nous débutons maintenant. La ville, sur 2020 et 2021, a dépensé plus de 2 millions d'euros en aide exceptionnelle, mais elle a aussi maintenu toutes les subventions récurrentes des acteurs, même si la programmation a été fortement perturbée. Et oui, on parle d'un risque, c'est-à-dire que cet engagement,
il se continue aussi sur cette année, voire l'année prochaine. Et évidemment qu'on ne sait pas si à quel point ça va vraiment pouvoir reprendre, à quel point les jauges vont aussi pouvoir évoluer, hein, parce que on l'a pas trop évoqué, mais c'est vrai que ça a un impact. On est content que, pour reprendre le coûte que coûte, que ça reprenne le coûte que coûte. Mais on sait très bien qu'il faut aussi qu'on ait tout le temps en tête que les choses, on espère, pourront se normaliser et qu'on revienne aussi à une forme de fonctionnement d'avant. Après, je pense que forcément, je parlais de format Covid compatible. La question de l'espace public, et on le voit, c'est forcément aussi une manière de toucher d'autres publics. Et ça, je pense qu'il y a des manières pour une ville aussi, où forcément l'espace public, c'est comment dire, notre matière et notre ADN, hein, qu'on prenne soin de cet espace public, mais que cet espace public soit aussi un lieu de rencontre. Dans notre programme politique, il y a la question de la ville hospitalière, par exemple, que les places soient vraiment des places qui soient investies. Donc là, typiquement, la culture, l'art a toute sa place à jouer. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a forcément des choses qui vont rester, et on l'espère que ça sera aussi des choses positives, pas que le surinvestissement des réseaux sociaux et tout ce que ça, et aussi le numérique qui a pris beaucoup beaucoup de place au détriment peut-être d'autres aspects de la culture. Alors on va continuer, peut-être que j'avais préparé trois couples de mots, mais on en fera que deux. Mais là, maintenant, la suite, si vous pouviez nous dire les uns et les autres dans vos responsabilités à la tête d'une institution ou dans votre pratique culturelle, demain, vous faites quoi ? Alors demain, d'abord, elle est... C'est un autre jour, non, je pense que là où on est dans une situation où il faut surtout faire attention de ne pas sauter une étape qui est tout à fait ancrée dans le présent. On n'a aucun intérêt à liquider le passé ni le présent pour ne penser qu'à demain, parce que la prise de conscience, et c'est ça qui s'impose aujourd'hui, la prise de conscience de chacune, chacun, citoyen, citoyenne, artiste, directeur d'une structure, directrice, la prise de conscience doit avoir lieu aujourd'hui pour pouvoir passer le cap, pour pouvoir se projeter dans un autre futur. Et on n'est pas à un endroit où on peut solutionner les problèmes ou la crise, trouver des réponses, mais peut-être, et c'est pourquoi j'ai parlé aussi de ce déplacement nécessaire et indispensable à faire, on est dans une situation où il faut d'abord croiser, faire circuler des idées pour se débarrasser de certains schémas de pensée, de certains modes de vie, de certains comportements qui sont les nôtres depuis longtemps. Et peut-être il faut d'abord travailler sur ce qui est imaginable dans nos imaginaires, impulsé par les artistes. Ça va influer sur votre programmation pour aller au-delà. Ça a déjà influencé, parce qu'on a commencé à travailler sur la question de quel récit a besoin une société aujourd'hui pour aller de l'avant, pour ne pas seulement répondre ou porter les conséquences d'une crise, mais surtout prendre à bras le corps l'idée d'une transition à mettre... C'est les narrations du futur. Ça, c'est par exemple un temps fort qu'on est en train de... qui va débuter la semaine prochaine, porté ensemble avec un autre théâtre, le TJP. Mais un temps fort qui porte sur cet aspect-là, tout en croisant, et dans la discussion, dans la table ronde précédente, on a abordé le sujet, tout en croisant des univers très différents. Parce que l'artistique, il a autant besoin d'être impulsé par d'autres façons de travailler, des méthodes de penser, de travailler, que peut-être l'industrie, que peut-être la science dure, entre guillemets. Et donc, ce travail de se faire approcher des façons de faire, des savoir-faire, mais aussi des connaissances et des questionnements
qui mettent en cause certaines façons de vivre et de penser. Ça, c'est, je pense, un grand enjeu où on n'est pas seulement dans la culture ou avec l'artistique vraiment demandé à trouver notre rôle, notre place, mais on est aussi là pour impulser les autres branches de notre vie commune et d'en fait partie tout à fait aussi l'industrie, le commerce et surtout aussi les sciences et l'enseignement. On n'a pas parlé de l'enseignement aujourd'hui, je pense que c'est très important aussi. Je suis désolée, de faire juste le... Oui, je sais pas. Allez-y. C'est juste important aussi de savoir que on doit faire face aussi à, je pense, à une génération qui a débuté une vie post-bac, donc qui s'est lancée dans une énième étape de sa vie, de sa construction aussi identitaire, dans la façon dans laquelle elle s'affronte à un monde et à les différentes façons de trouver sa place aussi dans ce monde. Il faut, je pense, être très attentif aussi dans les mois et dans les années à venir, comment, et pas seulement dans la perspective d'un public à regagner, mais comment on peut les impliquer et faire revenir aussi dans ce contexte social qui leur a manqué beaucoup. Alain Pérou pour l'ONR, les mois à venir, et puis aussi peut-être ce travail en direction des jeunes publics. Et c'est vrai que ça traverse le débat, mais on sait qu'il y a derrière tout ce que vous évoquez des gens qui sont touchés dans leur vie quotidienne par ces problématiques et par ce qui se passe. Alors peut-être que vous en direz peut-être un mot tout à l'heure, mais le monde de la laiterie ou tout ce monde des artistes qui gravitent autour a dû beaucoup souffrir. Alors dites-nous les semaines ou les mois à venir, comment vous allez... Ça se compte en années, généralement. Les opéras sont des grosses machines qui exigent des planifications, parfois 3 ou 4 ans à l'avance, qui, effectivement, a posé des problématiques spécifiques pendant cette crise et a aussi exigé des réponses spécifiques. Par exemple, les reports. Il y aura des reports, des spectacles annulés, mais qu'on va étaler dans le temps. Parce qu'on avait déjà des choses engagé pour la saison prochaine, pour la saison d'après, etc. Mais j'ai l'impression que dans votre question, vous me direz si je me trompe, mais il y a un peu la question que j'entends beaucoup en disant cette crise, elle a quand même aussi des aspects positifs, vous avez appris des choses, donc elle va faire que demain ne sera pas comme hier. C'est-à-dire que le monde d'avant, ça ne va jamais revenir. Est-ce qu'il y avait un peu de ça dans votre question ? Non, pas du tout. Ah bon, j'ai mal compris. C'est comment on fait pour s'en sortir ? Ah, comment on fait pour s'en sortir ? Je pense que d'abord, il est toujours important de se projeter, et c'est ce qui nous a aussi permis de tenir pendant tous ces mois de fermeture, c'était quand même de se projeter, de se dire, il y aura un après. Après, l'après, moi j'ai l'impression qu'il va... on va renouer avec des problématiques qui étaient déjà présentes avant, en fait. C'est-à-dire que le futur d'hier est toujours d'actualité, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu la crise de Covid pour se poser des questions... à notre endroit et dans nos métiers de comment inscrire la problématique essentielle du développement durable dans nos pratiques, dans notre rapport au public aussi. Est-ce qu'on a aussi un rôle à jouer voilà. Quel est notre rôle là-dedans ? On aujourd'hui se pose beaucoup de questions sur la diversité, sur l'égalité homme-femme, etc. Autant de choses qui, effectivement, datent d'avant la crise. Alors la crise a peut-être été un accélérateur pour certaines choses. Je pense, par exemple, pour ce qui est du développement durable, on s'est rendu compte que, pour donner un exemple très précis, dans le monde de l'opéra, qui est aussi à un échelon comme la laiterie, on travaille sur le plan international avec des artistes qui viennent de toute l'Europe et même au-delà, avec des Américains. Eh bien, par exemple, quand vous avez des projets avec des Américains, je peux vous donner un exemple très concret, aujourd'hui même, qui concerne les semaines présentes, c'est que Madame Butterfly, cette nouvelle production que nous avons construite dans nos ateliers, qui est en répétition et qui sera créée le 18 juin, la semaine prochaine, eh bien, elle est mise en scène par une équipe argentine qui, à cause des problèmes posés par le Covid, n'a pas pu faire le voyage, et le metteur en scène est en train de réaliser une mise en scène en étant resté en Argentine.
Et tout ça s'est rendu. Et figurez-vous que ça fonctionne. Alors je sais quelle est votre question, la question qui va venir après. Mais avant d'y répondre, c'est juste pour dire que déjà c'est assez étonnant. On aura appris à travers cette crise qu'on peut faire une mise en scène avec le numérique en l'occurrence, qui nous rend bien service, qui est un outil justement. Alors votre question en disant mais est-ce que vous allez le généraliser, est-ce que vous allez réaliser des économies grâce à ça, c'est pas du tout l'idée, hein, pas du tout, mais ça permet de dépanner et ça rend possible quand même, on n'a pas dû annuler le spectacle en l'occurrence. Donc voilà, on a appris beaucoup de choses au cours de cette crise et alors voilà, ça peut être intéressant pour des présentations de maquettes. On voyageait beaucoup avant, parfois pour une réunion de travail, peut-être ou pour une réunion. Et a fortiori dans un syndicat intercommunal comme l'Opéra National du Rhin, qui a des équipes réparties dans les trois villes qui forment son syndicat, donc Strasbourg, Mulhouse, Colmar, eh bien, il est quand même important que nous ayons des moments où nous nous voyons dans la même pièce, qu'on voyage, qu'on prenne le train ou la voiture, mais de préférence le train. Mais parfois, on peut faire certaines réunions aussi en visioconférence. Ça fonctionne. Donc voilà, voilà quelques exemples pour la suite, sachant qu'il est urgent qu'on se réempare, si tant est qu'on les ait oubliés, de ces grandes problématiques que je citais tout à l'heure. Et l'avenir, ça va être ça. Et après, dans les semaines et les mois qui viennent, vous savez, justement, comme toutes les choses ont été planifiées il y a longtemps, que fort heureusement, les municipalités qui nous soutiennent, ainsi que la région, ainsi que l'État, etc., ont maintenu leurs subventions. On leur en est très reconnaissant parce que ça nous permet justement d'envisager le court terme assez sereinement, parce qu'on peut, encore une fois, poursuivre, mais en continuant de travailler sur les grands chantiers qu'on avait ouverts avant, qu'on a dû mettre parfois un peu en parenthèse et qu'il faut rouvrir maintenant parce que ce sont les chantiers importants pour le futur. Alors, vous aurez le mot de la fin, si vous permettez, et je passe à Paul Lang pour les musées. En attendant NR, vous faites quoi? Alors, ce dont je peux vous assurer, c'est qu'on ne va pas faire comme si rien n'avait eu lieu. Ça, c'est évident. Je pense que cette crise nous a appris beaucoup de choses, y compris, sans caricaturer, des choses positives, mais je pense qu'il fallait, à un moment donné, en 2020, nous rappeler aussi notre vulnérabilité et notre fragilité. Et ça, je pense que c'est important, et on l'avait un peu oublié. On avait peut-être un sentiment de toute puissance, et je pense que ça, c'était peut-être pas inutile. Alors, une chose, effectivement, il y a un projet, un grand projet auquel je tenais beaucoup dès mon arrivée, qui va évoluer à cause de cette crise. Alors, ce n'est pas pour tout de suite, ce n'est pas pour la rentrée de la saison 21-22, ça sera pour l'automne 23, donc je vais devoir vous demander un peu de patienter. C'est cette exposition qui a été annoncée en 2018, à mon arrivée, sur la résonance du sida dans la création contemporaine. Et effectivement, donc, la résonance d'une pandémie sur la création, et qui a été très forte dans les années 80-90, je parle de la résonance, pas de la pandémie elle-même, et qui perdure sous d'autres formes depuis que la thérapie a été inventée. Et effectivement, ce projet va évoluer. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand j'avais annoncé ce projet en 2018, tout le monde me disait que c'était un sujet courageux, à plus d'un titre. Maintenant, je me rends compte que beaucoup de gens s'inscrivent dans cette logique. Le MUCEM à Marseille, qui est un musée de société, et le Palais de Tokyo, qui est donc à Paris, qui est un centre d'art avec lesquels nous dialoguons. Donc il y aura trois expositions successives, Marseille dans un musée de société, Paris dans un centre d'art, puis au musée d'art moderne et contemporain, dans un musée, dans une institution patrimoniale, mais qui également fera un sort à ce qui s'est passé depuis plus d'un an. Ça, c'est, je pense que c'est essentiel. Parallèlement, de manière plus patrimoniale, au musée Tommy Ungerer, Centre international de l'illustration, Thérèse Villers, que je salue dans l'assistance ce soir, a pris l'initiative de collectionner les œuvres d'un certain nombre de dessinateurs et d'illustrateurs pendant la pandémie, donc des œuvres faites en confinement, dans le cadre d'un confinement, et maintenant des œuvres qui réagissent par rapport à cette pandémie. Donc effectivement, je pense que les musées comme ceux de la ville de Strasbourg, qui sont des marqueurs dans la ville, doivent être
à la fois à l'écoute de leur patrimoine, mais aussi à l'écoute de la société et de la vocation de, la, de cette ville. Je pense que c'est absolument essentiel. C'est la raison pour laquelle nous avons une programmation double pour la rentrée, à laquelle, pour laquelle je me réjouis particulièrement et qui illustre un peu ce que, vous, nous voulions, ce que nous voulons faire. C'est dû par une grande exposition patrimoniale, qui est une exposition qui en réalité une interprétation augmenter de nos collections, c'est la grande rétrospective Jean-Jacques Henner, donc le plus grand peintre alsacien du 19e siècle, qui a un musée, qui a son musée monographique à Paris, qui est dans la plaine Monceau, donc un musée national, et c'est le fruit d'une collaboration avec le musée national Jean-Jacques Henner, qui présentera au même moment une exposition du musée alsacien, de notre musée alsacien, qui sera consacré, le titre est déjà évocateur, Alsace, rêver et pleurer, la province perdue, 1871-1914, donc l'Alsace vue de la France pendant, pendant cette période. Et il y aura une véritable saison NR, puisque, mis à part chez nous, donc au Musée des Beaux-Arts, la grande rétrospective, le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse s'est inscrit dans cette dynamique en consacrant, et on l'inaugurera la même semaine, la semaine du 4 octobre, une exposition consacrée à NR dessinateur. Alors c'est l'aspect patrimonial, et Georges Eck en a déjà parlé tout à l'heure, effectivement, en contrepoint, et ça me semble important pour une ville comme Strasbourg, d'avoir régulièrement des expositions qui traitent des sujets de société. Et la Marseillaise est un sujet patrimonial, puisqu'elle a été composée ici, pas très loin d'ici. Elle a été exécutée en public au pied de cet immeuble en 1792, le lendemain de son exécution privée chez le prédécesseur de Madame la Maire, en l'occurrence Monsieur de Dietrich. Et donc c'est un sujet patrimonial pour Strasbourg. Évidemment, c'est un sujet beaux-arts, c'est un sujet artistique. Vous connaissez tous notamment le tableau de Pils, mais pas seulement. C'est un sujet tout d'abord musical, c'est tout d'abord de la musique, évidemment, et c'est la raison pour laquelle le co-commissaire de cette exposition est Mathieu Schneider, et c'est la raison aussi pour laquelle je tiens particulièrement à saluer la collaboration avec l'Opéra National du Rhin, qui a changé un peu sa programmation et qui donnera un concert 3 jours après l'inauguration où l'on pourra... Il va falloir qu'on avance. Bon, alors, je m'arrête de faire de la publicité, mais je pense que... Tu dois la respecter, que les trois dernières... Alors, une seule phrase, ça pour vous dire que nous sommes conscients dans les musées de la ville de Strasbourg du rôle structurant de la culture. De la culture. Et nous allons participer à... Nous avons un devoir de participer à un devoir de reconstruction. Merci. Georges Eck, allez-y. Oui, alors effectivement... Peut-être en complément de ce que j'ai dit, c'est vrai que ce qui s'est passé avec cet arrêt de tout, voilà, ça a eu une vertu. C'est une vertu, c'est que ça a permis à tous les acteurs de ce système, de ce champ, de pouvoir enfin se poser des questions. Comme si, effectivement, le fait qu'on soit pris dans ce flux permanent de devoir changer sans arrêt, programmer, d'ailleurs, enfin, dans ce non-stop, ce que sont particulièrement propre au fonctionnement des cinémas, ça a eu effectivement cette vertu. Ça a permis aussi de mettre à nu les failles d'un système qui se mettait très en dépendance, avec en particulier, les grands majors américaines, etc. Enfin, qui étaient les sources un peu de retours financiers un peu garantis, etc. Et pour pouvoir effectivement passer quand même un peu de ce cinéma français, peut-être moins porteur, moins avec une audience plus moins important, mais en même temps important, enfin très précieux. Tout cela dans un système qui a été mis en place en France dès après la libération, avec la création du CNC, etc., qui effectivement est un système très vertueux, comme je disais tout à l'heure, qui permet effectivement au cinéma français d'être la troisième cinématographie du monde, etc., et d'avoir toute cette richesse enfin, de propositions, mais il fallait effectivement se poser la question, s'interroger, et je pense que ça a été effectivement quelque chose d'assez important. Alors maintenant, se poser la question, parce qu'on a vu les plateformes vraiment y aller à fond, mais elles étaient déjà là avant, elles prenaient déjà de plus en plus de place,
lentement mais sûrement. Là, il y a eu un effet d'accélération très fort, hein, qui fait que tout à coup, tout le monde s'est un peu affolé en me disant, mais ça y est, on ne va plus pouvoir retrouver des spectateurs dans nos salles. La réouverture, il y a quelques jours, a démontré le contraire, a démontré qu'il y avait une véritable soif de retrouver ces lieux, on l'en partage avec d'autres, quelque chose, enfin une émotion commune, etc. Et puis aussi le fait de se trouver face à une image plus grand que soi-même, hein, parce que le petit écran, on est vraiment dans une espèce de domination, de regard un peu comme ça, surplombant, si je puis dire, ou en fait comme ça on est en face d'un écran, alors que là tout à coup on est face à un écran très grand. Et ça c'est pas rien, parce que il faut être face à quelque chose qui est plus grand que soi-même, hein, c'est ce que permet effectivement le théâtre, l'opéra, etc., et les musées, enfin voilà, c'est absolument fondamental. Donc c'est ça que je voulais pointer, et puis peut-être se poser la question, attention, là on est dans un moment charnière, parce que très vite les mauvaises habitudes peuvent revenir. Et donc, il est important qu'effectivement, on soit extrêmement vigilant. Et je pense qu'une des questions qui est absolument essentielle, on a évoqué les jeunes, je pense que c'est la question de l'éducation. La question de l'éducation, et je pense que là aussi, on a pu mettre le doigt sur le fait qu'on a en France des systèmes qui existent, des dispositifs, etc. Mais tout ça est un peu dans un petit train-train, dans une petite routine, comme ça, qui fait que, voilà, 3 films par an, que voient les enfants dans les classes, etc. Oui, mais ça ne suffit pas. Il y a plein d'autres expériences dans d'autres pays qui vont beaucoup plus loin que nous, et il est tout à fait fondamental de vraiment reprendre cela en main pour qu'effectivement on ne retrouve pas d'ici un an finalement tout ce qui était. Retrouver une Ania Kondiavski, pardon. Je suis très court. Oui, si vous voulez bien. Je veux juste ressauter, oui, parce que je crois que Thierry a dit une chose que, oui, très importante, la question de pointer que la question qu'est-ce qui est essentiel ou pas essentiel, c'est en fait assez dangereuse de la demander, et pas juste parce que je pourrais revenir avec mon discours de tout à l'heure, ça pose direct la question qui demande cette question et qui va répondre à cette question. Mais je crois aussi parce que dans l'art, et peut-être c'est aussi comme il a fait bien d'introduire le mot art et pas juste culture, moi j'ai très souvent l'image d'un iceberg que on voit très souvent juste la pointe, on va le concert, on va je sais pas quoi, mais il y a en dessous, il y a tout un travail qui est fondamentalement important, et je crois que c'est ce travail de recherche, de faire, de foirer, qui est par exemple très accepté dans d'autres domaines, dans toute recherche scientifique. C'est normal, si on a aujourd'hui un vaccin, c'est pas parce que hop, il y a 3 scientifiques qui ont recherché, mais parce qu'il y a des milliers de scientifiques qui ont recherché, et parce qu'il y a des milliers d'argent et d'euros et de je sais pas qui est allé à cette recherche, et la plupart on ne voit pas. Et je crois, je dis ça juste, donc je crois ça c'est très très important. Aussi, enfin, parce que peut-être il faudra questionner le lien de l'art et la culture à la rentabilité, de toujours chiffrer ça, je ne crois pas que ça aide à quelque chose, et donc, ça sera mon point final. Peut-être, ça, je prends pour le futur, peut-être il faut questionner en général notre système économique, et peut-être j'aurais envie de barrer, je crois il y a du changement qui est nécessaire. Thierry Danet, demain. Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a eu une actualité. Ça, c'est ce qui est en train de se passer. D'abord parce qu'on a réouvert la laiterie, mais aussi parce que il y a ce Cosmos District de l'Ozosphère sur la place du château et dans la cathédrale. J'y reviendrai à la fin parce que c'est une part importante de nos sujets, et c'est la question, encore une fois, de la manière dont le numérique est questionné par les artistes en tant que matière, en tant que matériau, en tant que sujet, et le numérique c'est ça qui nous a amené à proposer ça depuis 20 ans, c'était de se dire que le numérique allait être et est maintenant une signature de l'époque, donc on interroge à partir de cet endroit-là. Concernant le futur, il y a déjà une chose formidable, c'est que une autre occasion de se rapprocher d'Alain. Nous aussi, on programme à 3 ans à l'avance, c'est complètement fou. C'est-à-dire que c'est une plaisanterie pour dire qu'il y a effectivement des concerts programmés à la laiterie jusqu'à 2023, ce qui ne nous arrive jamais puisque d'habitude notre rythme de programmation est beaucoup plus court. Derrière ce qui pourrait prêter à sourire, il y a une grosse inquiétude. C'est-à-dire que quand on reprogramme 180 concerts à la laiterie, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué, c'est aussi pour garantir
toute cette économie, tous ces concerts qui étaient en cours et qui devaient se faire. Mais ça veut dire que forcément, ça prend de la place. Et ça prend de la place sur d'autres concerts qui seraient censés venir alimenter. Voilà. Et évidemment, vous pensez bien que les artistes les plus importants, les structures les plus solides, auront plus de facilité à monter des tournées et à irriguer. Je pense qu'on doit se retrouver, encore une fois, avec des mécaniques différentes les uns et les autres, mais face à ce même sujet. C'est-à-dire que il serait, à mon avis, une grave erreur de croire que, même si tout reprenait comme il se doit à la rentrée, et Julia a eu bien raison de citer le fait qu'on a, pour l'instant, par exemple, pour la laiterie, aucune assurance sur le fait de pouvoir jouer debout, devant un public qui soit debout, c'est très important, sur la question des jauges. Mais même si tout ça reprenait, croire que l'histoire est finie en juin 2021 serait une grave erreur, c'est que je pense que nos activités, nos propositions, et cela encore une fois au niveau international, va être impacté pendant plusieurs saisons, et c'est déjà le cas, et que forcément c'est toujours les plus fragiles qui sont le plus en difficulté. J'ajoute, pour notre petit cas personnel à la laiterie, alors bon, on est rassuré peut-être sur les artistes américains qui peuvent retourner plus vite que prévu, mais par exemple il y a un vrai sujet qui a été complètement occulté, une crise de plus, c'est le Brexit. Et le Brexit qui va impacter de façon très très forte la manière dont des artistes anglais vont pouvoir tourner. Alors encore une fois, les gros, les plus importants, eux, auront les moyens d'organiser des tournées dans des conditions qui leur permettront de continuer leur activité. Mais tous ces artistes anglais qui venaient faire deux dates en France, ou une date en Belgique, une date en France, et qui repartaient, se retrouvent face à des contraintes qui sont tellement plus grandes que, double peine, ils vont avoir du mal à pouvoir profiter de ces opportunités. Fort heureusement, l'Angleterre est presque autosuffisante sur cette question. Donc ça, c'est un élément de notre avenir. Je pense que c'est important de se dire ça, c'est-à-dire que l'affaire, elle n'est pas terminée sur cette simple question mécanique. Il y a une autre chose aussi de ma petite expérience à la laiterie, hein, on en est à 26 ans de laiterie, j'ai jamais vu des mesures de sécurité, de sûreté, de quelque ordre que ce soit, ne pas laisser de traces dans la manière de mener les événements. Alors déjà à la laiterie, mais alors encore plus sur l'espace public. Donc il y a un vrai sujet, puisque la pratique de l'ososphère, c'est la pratique de l'espace public. Les questions de sécurité incendie, les questions de... Ici, on connaît l'exemple de ce qui s'est passé à Portales. Évidemment, les questions de sûreté à partir du moment où les attentats sont devenus un phénomène important. Tout ça a toujours laissé des traces, toujours laissé des mesures et fait peser des contraintes. Donc, je ne peux pas croire un seul instant qu'il n'y ait pas quelque chose qui reste de ça. Et donc, on doit tous en avoir conscience parce qu'on va devoir aussi non seulement s'adapter, garantir la sécurité, la sûreté sur tous les plans des gens que nous accueillons. Et je pense qu'encore une fois, c'était intéressant de dire que, quelles que soient les conditions, on a bien vu que plutôt les opérateurs culturels, on va dire, sont plutôt assez bons pour ça, parce qu'ils ont l'habitude, en gros, de gérer des ouvertures à des publics tous les soirs, d'accueillir des artistes, etc. Mais on peut se dire qu'il va y avoir une montée en puissance de ça qui va venir encore une fois de plus peser sur ce qu'on peut faire sur l'espace public. Or, il est extrêmement, extrêmement, extrêmement compliqué, pour ces raisons-là, de venir faire des propositions sur l'espace public. Et pour vous faire peut-être rigoler pour finir, nous sommes en train de travailler sur un modèle que j'appellerais le safe tackle, qui permettrait, donc ce safe tackle, ça serait le spectacle le plus safe possible. Vous voyez, on interfacerait tous les niveaux de sécurité, et bon, comme nous on a un problème de réalité économique quand même, on ferait le prix de la place en fonction du niveau de sécurité. Et je pense que la place la plus sûre, il n'y a que Elon Musk qui pourrait se la payer, puisque en plus elle garantirait, en plus, de toute subversion, en étant absolument pas au contact ni des textes ni visuellement. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement c'est un sujet qui va on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé.
Et je, évidemment, je souscris à, je plus sois, à toutes les, tout ce qui a été dit aussi de, d'alerte, de prise de conscience, d'éléments qui ont été, disons, éclairés par cet épisode. Et encore une fois, bien sûr chez nous, bien sûr chez les artistes, mais aussi chez les gens qui fréquentent nos salles ou nos voisins. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'un lieu, ce n'est pas juste ce qui se passe entre ces quatre murs. Et on le voit à l'échelle d'un quartier comme la Laiterie. Ben, ce quartier, il a vécu une année et demie très particulière. Et forcément, il y a un certain nombre de voyants, dont certains très intéressants, se sont allumés. Et ça va être notre job aussi de réagir à ça. Merci, Julia Dumais. Vous avez le mot de la fin, mais vous allez être brève et percutante. C'est très intimidant après toutes ces paroles vraiment très inspirantes qui ont été prononcées lors de la première et la deuxième table ronde. Peut-être moi je finirai sur cette question qu'on a évoquée déjà du voyage, de l'altérité, de la rencontre. Et de se dire que peut-être une chose effectivement qui restera, c'est qu'on pense à deux fois peut-être quand est-ce qu'on se déplace, quand est-ce qu'on ne se déplace pas. Et effectivement, ça a été évoqué, je crois, par le directeur du Futuroscope, de se dire, en fait, il y a une réelle richesse au coin de la rue. Et au coin de la rue, il y a des institutions culturelles formidables. Donc, le mot de la fin, c'est aller au cinéma, aller au concert, aller au musée, aller voir un opéra ou une pièce de théâtre, une performance. Merci. J'ajouterais simplement que le dialogue est lancé et qu'il va continuer. Il y a du grain à moudre. Et puis, vous pouvez retrouver ces deux tables rondes. Je parle aux gens ici ou en ligne. Vous pouvez les retrouver en streaming, en replay, et sur le site de l'Industrie Magnifique et sur le site des DNA. On va se faire fort demain de promouvoir un peu ces contenus. Et merci et vraiment bravo, c'était passionnant.